singing that song to Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. And we have Prophet Joel is here. He's a servant of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So let us pray together. Father, we worship you, Lord, tonight. We worship you, our God and our King. We worship you, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth. Lord, tonight we commit this all into your hands. In the name of Jesus, Amen. We commit every life here into your hands. Yes. In the name of Jesus. Amen. And we ask, Lord, that you sanctify this all. That you sanctify every life. Yes. Lord, that you transform lives here tonight, Father. Yes. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord, I pray that you pull down every stronghold of the enemy in the name of Jesus. Amen. That you will pull down every stronghold of the devil in the name of Jesus. Amen. That Jesus Christ be lifted up. That Jesus Christ be exalted. For Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Lord Jesus, may you be lifted up here today. May your name be glorified here today. Oh, may the name of the heaven, the King of Kings, and the Lord of Lords, may your name be lifted up here today. In Jesus' name. Amen. 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 Father, may you bless the occasion tonight, Lord. May you grace the occasion tonight, Lord. Father, Lord God Almighty, may you honor the prayer of Jesus in our lives, Lord. May you honor the promise of Jesus in our lives, Father. May you honor your word in our lives, Father, tonight. Thank you, Papa. Thank you, Lord. Glory be unto your name. Hallelujah. Lord, I pray you fill this house with the blood of Jesus. Blood of Jesus. From the ceiling, from the roof. Lord God, to the walls, to the floor. Father, Lord, in the whole of this community, in the whole of this city, in the whole of this state, in the whole of God, the United States, that I will plead the blood of Jesus tonight. The blood of sanctification, the blood of healing, the blood of purification. May Jesus, the blood, the work that was accomplished on the cross, be realized here tonight. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Let's put our hands together for Jesus, everybody. Hallelujah. 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 We're going to have one more song of praise and worship. Amen. Nous avons encore un chant de louange. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Mercy Capwin, she's going to lead us. Hallelujah. Pastor Mercy, that's me. Hallelujah. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Hey, hey. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer?
Hallelujah. Take over, sister. Amen. When the Holy Spirit pour upon you, you will be filled with kindness. Shall be my witnesses in Jerusalem. Je ne veux jamais vous abandonner. Alléluia. Alléluia. Let's clap pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. I'm going to introduce the man of God here in a minute. Je vais introduire l'homme de Dieu dans une minute. But before that, avant ça, I'm going to invite my sister. Je vais inviter ma sœur. She will say something. Elle va dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur va répondre à vos prières. Amen. Amen. Allô? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to God. Je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun ici. I thank the Lord for each and every life in here. Amen. Amen. Avant de laisser la parole à l'homme de Dieu, Before giving the man of God the word, je vais demander à la permission de l'homme de Dieu. I will ask the permission of the man of God. À une sœur de venir faire un témoignage. For a sister to come and give a testimony. Comme c'est moi qui suis la secrétaire et je prends souvent les coups de fil. Since I'm the secretary and I always pick up the phone calls. Et j'ai reçu un témoignage vraiment très édifiant. And I received testimonies that are very edifying. Et je voulais pas garder ce témoignage pour moi seule. I didn't want to keep that testimony for myself. Et je voulais que cette sœur arrive et vienne ici. I wanted that sister to come forward and give a testimony. Pour partager ce témoignage avec tout le monde. To share that testimony with everyone. Pour édifier le peuple de Dieu. To edify the people of God. La sœur avance. Please, sister, come forward. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. My name is Marie Claire from Cameroon. I came here 26th of February 2016. I was sick. I had pain throughout my right leg. It went right up to my hip area. I went to hospitals in Cameroon. I went to Ngambe people. Even upon my arrival in America, I still had medications from Marabouts from Cameroon. I kept drinking them. I wasn't ever healed. In November 2016,
I went to the website searching the culture of Bamileke. And every time I went to that page, it was the page of Prophet Joshua that came to the web. I didn't even want to look at it. But there was another page that said, I kind of looked at the story that had to do with a snake, and by curiosity, it caught my attention. It happened in a village area. There's an old man that came and started dancing. I asked myself, who is this kind of old man dancing with people this way? I looked at the dance. They were singing. The father was also giving his songs. The crowd followed him. We went together to a cemetery. Where there was a dragon serpent. We went to that area. We prayed. Papa s'est levé. The father stood up. Il a parlé au sorcier. He talked to the sorcerer. He said, sorcerers, you're going to try me today. I asked myself, which kind of old man addressing himself to a sorcerer this way? The video got finished. And that's how I kept on checking videos. But I wasn't healed. I persevered. I told my God, I am in the USA, and this father is in Côte d'Ivoire. I've been praying ever since. I've not had any healing. I know that my God will heal me. So I fell into a group of prayers. When I started my first prayer every 4 a.m. in the morning, that evening, I started seeing results. But I wasn't believing. I was telling myself, prayers can't just heal this way. The second night, I prayed and I laid down. But before laying down, I started telling myself, this must be healing. Because my leg feels like it's reducing. I did my prayer and I laid down. The next morning, at 4 a.m. in the morning for my prayers, I was surprised that I could stand up without even realizing that I was sick. I turned around and I couldn't believe that was me. I lifted my leg. I made 100 steps at home. I didn't feel any pain. I said,
God is healing me. Et mon pied, plus j'ai prié, plus mon pied est guéri. En moins de 3 semaines, ma guérison était déjà complète. The more I pray, the more I have. So I had to testify. I said, my God, I do not know how to testify. I don't even know how to do the arrangements for testimonies. And when I'm sharing my family concerning my testimony, I clicked somewhere and then Papa was announcing his arrival to the USA. And that's how I told the Lord, you must help me see this man. 1 month plus tard, 1 month later, Papa a donné la correspondance, les coordonnées pour appeler. So he gave information on how to call. Et c'est comme ça que j'ai appelé Madame Honorine. And that's how I called Mrs. Honorine. Elle m'a donné les coordonnées de Texas. She gave me the contacts in Texas. J'ai appelé Maman Béatrice. I called Mama Beatrice. Et me voici enfin aujourd'hui à Dallas. And this is me here in Dallas. I thank God for Daddy. Et ce que je vais lui dire aujourd'hui, and what I'll tell him today, c'est que is that l'esprit de Dieu, the Spirit of God, a choisi Papa Joel Casso, has chosen Papa Joel Casso, pour réclamer le règne du Christ parmi les nations, to preach the gospel to every nation. Merci Papa Joel Casso. Amen. Thank you, Papa Joel Casso. Merci au Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. God bless you, my sister. Et je sais que, en fait, dans nos parler, elle ne travaille pas. I know that she's not working right now. Mais quand elle a appris que papa devait venir ici, but when she heard that the man of God was coming, je crois qu'elle a participé avec $200. She participated with $200 for his arrival. Que Dieu te bénisse. God bless you. Maintenant, pour terminer, avant de remettre encore le micro à papa, now before I hand over the microphone to the man of God, nous allons demander à tout un chacun. We'll ask each and every one of you. Nous allons faire une petite offrande. We'll do an offering. Une grande offrande dans le règne spirituel. An offering in the spiritual realm. Peut-être une petite offrande devant nous. Maybe small in our faces. Mais lorsque tu donnes à Dieu, à l'homme de Dieu, but when you give to the man of God, c'est comme tu as donné à Dieu. It's the same as giving to God. Donc je vais demander aux gens de venir faire une offrande. On peut déposer ça là sur la table. Could give an offering at this pour aider time, le ministère de l'homme de Dieu. To help in the ministry of the man. Nous devons savoir que we have to know, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. We don't come to the house of God with empty-handed. Quel que soit ce que Dieu vous met dans le cœur, whatever God keeps in your heart, apportez pour bénir le ministère de l'homme de Dieu. Bring forward and bless the man of God. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to praise God this evening? Yeah. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la vie. Thank you.
Merci pour ta grâce, ta miséricorde, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want to introduce Prophet Joel. Je voudrais introduire le prophète Joel. And I must say. Je dois dire. That every man of God, tout homme de Dieu, you can only introduce him as much as you know him. Tu peux seulement l'introduire comme tu le connais. But God of heaven, mais le Dieu de ciel, the creator of the heavens and le earth, créateur he knows every child. Il connaît tous les enfants de lui. Hallelujah. 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 And today, aujourd'hui, is the second day that I'm meeting. Prophet Joel face to face. C'est le deuxième jour que je rencontre le prophète face à face. Hallelujah. Hallelujah. I want to go ahead and say. Je voudrais dire that he has an orphanage. Il a un orphanage in Ivory Coast. À Côte d'Ivoire. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And as you're here today, quand vous êtes ici aujourd'hui, there are more than 1,000 children. Il y a plus de 1,000 enfants in Ivory Coast. À Côte d'Ivoire. That have been blessed under his ministry. Ils sont bénis à travers son ministère. Alléluia. There are also older people. Il y a aussi les âgés. That he's also taking good care of them. Qui prend bien soin d'eux. Hallelujah. Hallelujah. I want to say. Je voudrais dire. How God touched his heart. Comment le Seigneur a touché son cœur. He will go to a village just to visit that village. Il va partir en village juste pour visiter. And he discovered il a that all the children were out of school. Pour tous les enfants étaient hors de l'école. All the children in that village. Tous les enfants de ce village. They had no tuition. Ils n'avaient pas l'argent pour aller à l'école. So they were driven out for school fees. Donc on les a chassés de l'école. He was wondering where are these children in the street? Il se demandait pourquoi est-ce que les enfants sont dans la rue. These are school-age children. Ce sont des enfants de l'âge de l'école. Why are they roaming the street? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue? They needed tuition. Ils avaient besoin and de la scolarité. Touched his heart. Et le Seigneur a touché son cœur. And he went to the school. Il est parti à cette école. And paid all the tuition. Il a payé toute la scolarité de tous ses enfants. Hallelujah. 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 Does it look like King Solomon to you? Est-ce qu'il est comme le roi Solomon? All that money. Pourquoi est-ce qu'il va payer tout cet argent? Hey, you are just like him. Vous êtes comme lui. And God can use you too. Le Seigneur peut l'utiliser. Hallelujah. 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 And so here today. Et aujourd'hui. That heart that God has deposited something in his heart. Ce cœur que le Seigneur a déposé quelque chose. God will use that to touch your heart also. On prie que le Seigneur va aussi toucher ton cœur. So this invitation that Jesus has invited you here today. C'est une invitation que le Seigneur vous a donnée. Is that he will use the heart of his servant. Qui va utiliser le cœur de son serviteur. To touch your own heart de toucher well. Ton cœur. And so your heart will get bigger tonight. Ton cœur va devenir plus grand your ce soir. Faith ta will get foi bigger tonight. Sera plus large ce soir. Your eyes tes yeux will see further tonight. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your legs are going to walk farther away to places that you have never imagined. Plus loin. Hallelujah. Hallelujah. Your dreams and your vision, tes rêves et tes visions, they are going to go across borders. Va partir plus loin. Hallelujah. 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 And some of you students, you'll go from one level to the next. Vous allez partir d'un niveau à un autre. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says from glory to glory. La Bible dit de gloire à gloire. And so Prophet Joel is here tonight. Le prophète Joel est ici. To minister to you. Pour vous rendre au ministère. As you have heard, this is honoring. Let's give our hand together for honoring. Merci, honoring. Thank you. Honoring is
is his daughter. Honorine est sa fille. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Spiritual. You're like, what is it? His daughter? So you're wondering. Yeah. Spiritual daughter. Yeah. Amen. She has given her life during these days and possibly forever to be the secretary to support this ministry. Amen. And some of you, God will call you, you know, tonight and the night to come to support certain ministries as well. Et certains d'entre vous, le Seigneur va vous toucher de bénir certains ministères ce soir. But tonight we have this foundation. Mais cette nuit, nous avons cette fondation. Tomorrow night is this foundation. Demain, ce sera cette fondation. And there are more than 1,000 children. Il y a plus de 1,000 enfants. That you can touch their lives. Que vous pouvez toucher leur vie. It is an opportunity. C'est une opportunité que vous avez. Hallelujah. And even though you are weak, même quand vous êtes faible, God knows that you are strong. Le Seigneur sait que vous êtes fort. Hallelujah. Hallelujah. And even though you come here and you know you are sick and you need help, vous venez ici et vous savez que vous êtes malade et vous avez besoin d'aide. God is saying that He's going to use you. Le Seigneur dit qu'il va vous utiliser. No matter how you are, n'importe quel He will use you. Il va vous utiliser. He's going to throw you away, he will clean you up. Les gens Amen. Vont jeter, by il va the vous blood of Jesus. Avec le sang de Jésus. And he will use you. Il va vous utiliser. Tonight, aujourd'hui, cette nuit, he has sent his instrument. Il a envoyé son instrument. He has sent his tool. Son instrument. To transform your life. De transformer votre vie. Alléluia. So be happy. Soyez content. Because you are blessed. Parce que vous êtes béni. Prophet Joel. Prophet Joel has a huge ministry online on social media. Un grand ministère dans le web. It goes from social media from nation to nation. Ça part de nation en nation. And God is bringing him from continent to continent. Le Seigneur lui fait voyager de continent en continent. Though Ivory Coast may have problems, même comme la Côte d'Ivoire peut avoir des problèmes, God raised somebody there. Mais le Seigneur a élevé quelqu'un. And took him to other countries in Africa to bless him. And took him to Europe, to France, to Switzerland. Hallelujah, to Belgium, Belgium. To bless them. Pour les bénir. And has also come brought him to America. It's his second year in the USA to bless the USA. C'est sa deuxième fois d'être à les États-Unis pour bénir les gens. Hallelujah. Hallelujah. And you also, et vous aussi, you will follow suit. Vous allez suivre la même direction. Hallelujah. 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 So, man of God, l'homme de Dieu, you're welcome. Vous êtes bienvenu. God bless you. Le Seigneur vous bénisse. I'm going to give the microphone to Miss Honorine again. Je vous ai donné le microphone, Is that okay for Miss Honorine or Ma'am Beatrice? All right, man of God, you have the microphone. Amen. Nous voulons te rendre toute la gloire, et nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Et tu me donnes cette grâce, tu me donnes cette opportunité de m'exprimer devant ton peuple ce soir. Thank you, Lord, for the opportunity. Éternel notre Dieu, merci parce que nous sommes dans l'état du Texas. And Lord and God, we thank you and the state of Texas. Seigneur, notre Dieu, Dallas, and Lord and God, et bénis ton peuple. Bless your people. Ce soir. This evening, je m'abandonne entre les creux de ta main. I give myself to your hands. Let your grace abound to my hands. Du bien en restaurant nos âmes, yes, en nous accordant la guérison extérieure, intérieure. Give us healing in et la vivance sur nos âmes, en nous faisant du bien de par ta présence. Parce que la vie s'éclate là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. Et nous croyons ce soir à la puissance de ton esprit et de chaque femme. Et nous savons que tu es présent et tu nous feras du bien, chacun d'entre nous ce soir. Merci de nous bénir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Celui sans lequel ma vie n'a point de sens. Celui qui a donné un sens à ma vie. Celui-là qui a sauvé mon âme. Je vais parler ce soir de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci, gloire et honneur à toi seul et de conduire cette rencontre. Merci, notre Dieu. Que tu sois béni de gloire de siècle en siècle et de génération en génération. Que ton nom seul soit célébré. Tu es le véritable Dieu. Et tu resteras Dieu. Et merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, que j'ai prié ce soir. On dit amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. I bless the name of the Lord. Pasteur, que Dieu te bénisse. And the Lord bless you. Pasteur, si c'est ça. Pasteur de couple, que Dieu bénisse. Je vais bénir le couple. God bless the couple. Pour cette collaboration. For this collaboration. Et c'est vraiment très important. It's very important. Chacun d'entre nous est appelé. Each and every one of us have called in one way or the other, des différents endroits, in different areas. Mais nous servons le même Dieu. But we serve the same God. Nous servons le même Dieu. We serve the same God. Et je rends toute la gloire au Seigneur. I give all glory to God. Je rends toute la gloire au Seigneur. I give all glory to God. Pour la collaboration. For the collaboration. Elle est vraiment très importante. It's very important. La collaboration. The collaboration. Voilà, parce que c'est vraiment important. It's very important. D'autres viennent et prêchent. Others come and preach. Cela permet d'avoir des âmes dans une église. It permits souls to come into the church. Et d'autres personnes s'occupent de d'autres âmes. And others take care of other souls. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que la gloire revienne au Seigneur. Let the glory go to God. Et que le Seigneur bénisse votre ministère. And let God bless your ministry. Je suis le prophète Joël Crasso. I am the prophet Joel Crasso. Je suis très heureux d'être parmi vous. I am very happy to be here. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être ici dans l'État du Texas. To be here in the state of Texas. Et précisément dans la ville de Dallas. Precisely in Dallas. J'ai connu Dallas à la télé. I know Dallas from television. J'y ai, mon frère, et un peu le film Dallas. I watch Dallas films. Et Dieu me permet dans sa souveraineté. And God permits me in His sovereignty à Dallas. To be in Dallas. Et je vais demander à Béatrice. I would like to ask Il faut Béatrice. Que tu m'amènes où on appelle le film Dallas. You have to take me where the film Dallas. Je veux voir. I want to Parce see. Parce qu'on était trop petits, nous ont fait rêver ce film. Les chiens. Made us dream. Je crois qu'il y a beaucoup de temps. Pamela, merci. Il faut que je voie ce coin là où ils ont fait le film. Je pense qu'elle m'a fait la promesse demain. J'y serai demain par la grâce de Dieu. I have to see that sign where that thing was made. Avec Jésus, on peut faire ça. With Jesus, that can be done. Je suis le prophète Joël Crasso. I am the prophet Joël Crasso. Je viens de l'Afrique. I come from Africa. Et précisément à Côte d'Ivoire. Precisely from Ivory Coast. Je suis ivoirien. I am Ivorian. Et je suis à 215 minutes d'Abidjan. Mon ministère est about 15 minutes from Abidjan. À 215 minutes. 2 hours 15 minutes from Abidjan. Je suis à Divo. I am in Divo. Voilà. Je suis un prophète de village. I am a prophet from the village. Moi, je suis dans le village. I am from the village. Donc, je suis un bon villageois. I'm a villager. Good Amen. Village. Amen. Pour ça que moi, je me promène, je mange chemin africain. So whenever I go African. Dieu. God. M'a fait la grâce. Gave me the grace. De le connaître. To know him. Alléluia. Alléluia. Je suis né dans une famille musulmane. I was born in a Muslim family. Ma maman est peu malienne. My mother is a little bit malienne. Elle est Maria. Et mon papa, il est bété de Gagnois. And my father is from Gagnois. Je vois encore du voir, il y a plus de 62 ethnies. Mon papa, voilà, il est dans une ethnie qu'on appelle bété. Voilà, de Gagnois. Et mon père était musulman. My father was Muslim. Sauf là qu'il a épousé bien sûr ma mère. That's why he probably. Donc je suis né dans une famille musulmane. I was born in a Muslim family. Je connaissais pas Jésus. I didn't know Jesus. J'étais loin de connaître Jésus. I was far away from knowing Jesus. Et Jésus me disait rien. And Jesus was telling me nothing. Il m'a jamais rien dit quand j'étais petit. He never told me anything when Parce I was Parce que j'appartenais déjà à une religion. Because I already belonged to a l'Islam. Islam. Donc je croyais déjà à l'islam. I believed in Islam. Très tôt, je croyais déjà au paradis. At a very early age. Et je croyais à l'enfer à ma manière. I believed in hell in a different way, according to Quran. Je respecte bien mes parents musulmans, je les respecte. I respected my Muslim parents. Le respect, il n'y a pas de problème entre moi. Eux, c'est mon témoignage. There's no problem between je suis en train de rendre mon témoignage. Moi, je n'ai pas de problème. La preuve, c'est que mon chauffeur même est musulman. Mon chauffeur qui me conduit à Abidjan, c'est musulman. My driver, je suis en train de rendre le témoignage de ma conversion.
I'm still comment je suis venu dans Jésus. How I came to know Il faut connaître l'histoire du prophète. You have to know the history. On n'est pas chrétien, on est devient. We are not Christians. Mais si ton papa est pasteur et ta maman est pasteur, if your father is pastor, tu deviendras chrétien lorsque tu prendras l'engagement de marcher avec Jésus. When you take an engagement to walk with si papa est pasteur, maman est pasteur, ça ne fait pas de toi chrétien. It doesn't come from c'est un engagement qu'on prend, un engagement personnel, parce que le salut, il est individuel. It's a personal engagement. Et c'est Dieu qui convainc. It's God who du péché, de jugement et de justice. Of sin, of judgment, and of... Et c'est Dieu qui appelle. It's God who comes. Alléluia. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Unless the Father calls. C'est une grâce. It is a grace. De connaître Jésus. To know God. Je sais que la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Je souhaite que je vais bénir le Seigneur pour cette grâce. That's why I want to bless the Lord with that grace. To know God. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. It's by grace that we have been saved. Par le moyen de la foi, parce que Dieu t'amène à croire. By means of faith, because God. Ce n'est pas par les œuvres. It's not by works. Afin que l'action ne se glorifie. Donc on n'achète pas le salut. We do not buy salvation. On ne peut pas l'acheter. We cannot buy salvation. C'est une grâce de Dieu. It's grace of God. Mes parents sont morts. My parents died. Sans connaître Jésus. Without knowing Jesus. La plupart des membres de ma famille sont morts. Most of the members of my sans family connaître died. Jésus. Without knowing Jesus. Et Dieu m'a fait la grâce. But I call that grace. Et je lui rends toute la gloire. I give that glory to God. Et partout. And everywhere. Je n'ai pas que de ça. Pour parler de quelqu'un, il faut connaître son histoire. To talk about somebody, you have to know his history. You know, you need to know the history. Généralement, ça parle du passé. Generally, what he went through. L'histoire de quelqu'un, c'est ce qu'il fait. The history of somebody is what je connais Jésus-Christ. I know Jesus. Quand j'étais dans les difficultés. When I was in difficulties. Comme d'autres personnes. Like any other person. On ne vient pas à Jésus souvent quand on est content. We don't come to Jesus when we are on happy. On vient à Jésus quand on a les problèmes. We come to Jesus when we have problems. Vous les sorciers, merci. Ma si m'a fait connaître Jésus. Même si vous mangez les gens. Merci parce que vous m'avez aidé à connaître le souverain maître. Thank you because you made me know Jesus. À cause de vous, je n'ai pas enfer. Because of you, I'm not going to hell. Si je n'ai pas sorcier. If you're not a sorcier. Je n'ai pas venu dans le feu de Jésus. I wouldn't have come to Jesus. Et ça c'est la vérité. It's the truth. Je suis convaincu que je n'ai pas fait de sorcellerie. Moi, crasso, je n'allais jamais être dans le feu de Jésus. Donc vous les sorciers, merci quand même. Thank you, sorcerers. Mais on va vous mater quand même aussi. You also need Jesus. Je suis venu dans le Seigneur. I came into the Lord. À cause des difficultés. Because of difficulties. De santé. Of health. C'est pour ça que je crois au miracle. That's why I believe in miracles. Depuis que je suis dans mon ministère. Ever since I've been in my ministry. Je ne sais pas quel miracle j'ai pas encore vu. I do not know what miracles I haven't seen. Mort, j'ai déjà vu des morts ressuscités. Dead that have been resurrected. J'ai déjà vu des paralytiques marcher. The paralyzed walk. J'ai vu des grands miracles. I've seen big miracles. Parce que moi-même, je suis un miraculeux. Because I'm a miracle. Et ça a grandi ma foi. And it built my faith. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois tellement. I believe so much. Alors, je compte mon histoire. And that's my story. Je suis né dans une famille musulmane, comme je viens de vous dire. I was born in a Muslim family, as I just told you. Mon père. My father. C'est à partir de la mort de mon père. He's from the death of my father. Et beaucoup de choses se sont déclenchées. Many things unrolled. Dans ma vie. In my life. Ah, d'accord, mon père d'abord construit, il avait chez nous encore du gras. Chez nous encore du gras. In Ivory Coast. On dit le succès se repose sur l'agriculture. We say that success relies on nous sommes beaucoup agriculteurs. Nous c'est cacao, café. Nous sommes numéro un mondialement en cacao. We are involved in a lot of agriculture. We are number one in cocoa. Vous savez très bien qu'en bas de la Côte d'Ivoire, sous la terre, ça appartient aux blancs. We know that beneath the sun belongs to the white. Unfortunately. Donc notre président perd à son âme, Félix Mbogwani. Our president. Il dit que ce qui est sur la terre, c'est pour vous. He said, what is on the earth is yours. Mais en bas là, but beneath that, laissez ça, ça appartient aux gens. Leave it alone, it belongs to those people. C'est pour ça qu'il y a plein de gars en Afrique.
C'est à cause de nos ressources qu'est la guerre. It's because of our resources that we have. Je ne suis pas en train de faire la politique, mais je vous dis la vérité. I did not do politics, but I'm telling you the truth. Vous dites que l'Afrique est pauvre. You said that Africa is poor. Vous faites quoi l'Afrique? What do you do in Africa? Donc, les Ivoiriens Ivorians sont beaucoup dans l'agriculture. They are very much into agriculture. Café, le cacao, coffee, le caoutchouc. Alors, très tôt, nos parents commençaient à faire le cacao. Very early on, our parents did. Et ça rapporte. Chez nous, les agriculteurs, on a rien. Chez nous, les paysans, those that do les paysans, have ils ont des cités, construit des maisons. They have cities, they build big. D'ailleurs, le président Félicien Bagné-Père, son affaire Félicien Bagné, était le premier planteur de la Côte d'Ivoire. Son argent, c'était là. L'agriculture, quand quelqu'un a des champs de plantation, ça lui rapporte de l'argent. When somebody does agriculture, they have a lot of money. Nos parents se sont mis. Donc mon père est allé s'investir dans l'agriculture. So our parents invested in agriculture. Et chez nous, il y avait des terres. Ce n'est pas maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus. Hein. Mais en bas, il y avait des terres. At first, we had donc, a lot of land. Nos parents avaient conservé, nos grands-parents avaient conservé des terres. Our parents conserved the land. Et donc, mon père devait faire le cacao. My father had to do cacao. Il est rentré en possession de ses terres. Donc, il a fait 100 hectares de plantation de cacao. He did 100 hectares of cocoa. OK. Pendant qu'il commençait, when he started, on ne sait pas d'où vient la nouvelle. We didn't know where the news came from. La nouvelle est parvenue. But the news got to him. To tell him, tu ne vivras pas de cette plantation. You shall not live on this plantation. Donc son cousin l'approche pour lui dire. His cousin came to him. Je que. I learned that. Cet argent tu vas pas bouffer. This money you will not. Donc lui demande qui t'a dit. And he asked him, who told c'est you? Nous, Africains, c'est on you, pas you know us Africans, this mais person said, on. It left in who said, donc, said. Ils ont banalisé ça. So they banned that. Okay. Un an, parce que ça prend du temps. Un an, deux ans, trois ans. One year, 2 years, 3 years. Cinq ans. Five ça years. Ça a commencé à produire. He started producing. Et il l'avait fait dans le but de pouvoir aider aussi ses parents au village. He also had a project to help his parents. Prends pour construire sa maison au village. Prends ça pour se développer de ses parents au village. To build his house, to build c'est là qu'il va comprendre qu'il y a mis sucre dans le berger. Amen. Amen. Il va comprendre qu'il y a mis sucre dans le berger. Je ne vais pas traduire ça. Ok, allons-y, traduis ce que tu peux. Laisse ce que tu peux. Amen. C'est lui qui fait, qui fait. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, quand je suis rentré en production, but when he went into production, il était content, il a commencé. He was very happy celebrating. Tout ça. Harvesting. Et puis on l'appelle un matin pour dire. He called one morning. Toute ma plantation a brûlé. All the plantation burned down. Il n'y croyait pas. He didn't believe it. Bon, ça brûlait comment? How did on he dit tout. He said everything got toute la plantation. All the plantation. Bon, je lui dis, bon, ok. Well, he said, well. Sans état. 100 acres. Ça fait des bouts, ça va brûler un petit pied. It could burn just a little bit. On dit feu de sorcier. They said fire of sorcerer. Le sorcier met le feu. The sorcerer put fire. On va penser que c'est feu de Niabeyi ou bien. You would think it's fire of Niabeyi or no? Feu de sorcier. It's fire of sorcerer. C'est pas aux oies qui ont oublié mais la jeté brise. Feu de sorcier. It's fire of sorcerer. Dès qu'il rentre au village, when he returned to the village, il n'avait que des yeux pour pleurer. He only had tears. Il constate que le désastre. He discovered how damaged every plant, every plant, chaque plant, every plant, chaque plant, every plant est ensemble. Was burnt down. Chaque plant est ensemble. Every plant was burnt. Il n'avait que des yeux pour pleurer. He only had eyes to cry. Voilà, il n'avait que des yeux pour pleurer. He only had eyes to cry. Et ils lui ont dit. And they told him. On avait déjà eu la nouvelle. We already heard the news. Et du coup. And right away. Il regarde tout le monde. He looked at everyone. Il a fait une crise de colère. He had a cardiac arrest. Il est sorti du village. He went no. out of the village. Et c'est là-bas il a commencé à avoir le premier souci. And he came. Il fait un accident où il a fracturé le pied et le bras. He had an accident. He fractured his arm, his leg. On lui dit, on a commencé. And to tell him we have started. On va commencer ce qu'on appelle le combat. Spiritual. That's what they call the spiritual battle. Okay.
Quand je me pose la question, vous n'aimez pas du bien. So you do such vous n'aimez pas qu'on vous mette à l'aise. You don't like to be put donc il sort de son combat d'accident. So he comes out of his battle. Il sort avec une leçon dans la tête. He comes out with a lesson in his mind. La sorcellerie. It's sorcery. Donc mon père s'est révolté. So my father revolted. Quand ce phénomène. As a phénomène. Il est venu nous a parlé de ça. He came out and voici l'histoire, voici son histoire. This is my story. Il avait que des yeux pour pleurer. He only had eyes to cry. Et nous a même interdit de connaître notre village. Moi, j'ai connu mon village lorsque j'ai perdu. Mon père, c'est là que j'ai vu voir l'enterrement. He prohibited us from knowing our village. La deuxième fois, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. And the second time is when there is when I lost my grandma. Parce que j'ai un mauvais souvenir sur le village. I have a bad memory of my village. Très mauvais souvenir sur le village. Very bad memory. Le village m'a fait beaucoup de mauvaises choses et heureusement que Dieu est en train de me faire oublier. The village brought so many evil things. Souvent, on me demande pourquoi je vais au village. Et si j'arrive au village, je vais me rappeler de beaucoup de choses. Vous n'allez pas me consoler, je ne ferai que pleurer seul. Parce que village, le corps de mon père, la c'est comme il est mort. Bad memories. Moi, je suis orphelin de père et de mère. I am an orphan. J'ai perdu ma mère, mon père était un éducateur pour moi. I lost my father was an educator voilà, to me. Donc tout, il était vraiment quelqu'un qui était vraiment doué, il se battait pour réussir dans la vie. He was somebody that fought hard in life. Et malheureusement, ce sont ces personnes qui sont ciblées par les sorciers. Malheureusement, ce sont ces personnes que les sorciers cherchent à détruire. Unfortunately, he was one of those that. Non, non, pas même croyant, c'est lui à sa manière, pour se protéger contre ça, parce qu'il savait. He believed in his own prayers, in his own ways. Et quand on parle de ça, il nous parle de ça. On était encore très jeunes, on ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire. We were very young when our father was telling us all these things. Ma mère nous a merdés, et ça c'est vrai. Our mother and je ne sais pas quel fétiche elle n'a pas encore vu. I don't know which kind of garbage man she hasn't seen. Ils ont des, il y a les gens même qui ont balafré, c'est-à-dire, vois-tu même plus passer comme autoroute. C'est autoroute du Nord, je ne sais pas quoi, c'est gaillard. She has seen all kinds of people in this earth. On y vient du Burkina. Sometimes come from Burkina. Quand il dit bonjour, odeur de WC. When he says bonjour, he has very bad odor. C'est quelle façon les aveux. Des petits chiens aveux, ils font tout pour nous protéger. On te fait des médicaments pour te protéger. On lui demande, mais c'est pourquoi? They made all kinds of medications, concoctions to fight the sorcerers. Frère, vous savez, quand tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, when you have never been a victim of sorcery, quand on en parle, ça te dit rien. When they talk about it, it says nothing. Tu vas la lire, ça te dit rien. It means nothing to you. Lui, ils l'ont loupé, c'est ce qu'il se disait. Mais il savait, parce qu'on voyait notre papa, chaque mois, une fois dans le mois, il criait, il sortait de sa maison, il criait. On dit, mais quoi? On se posait la question, qu'est-ce qu'il a sur les yeux? Un gars, il sort de sa chambre, il reste plus fou, dans le salon. On l'a poursuivi, on l'a loupé. Les pièges l'ont loupé. And he would always come out praying. Tu me vois, il va dormir. Il y a piège dans le nez. He couldn't sleep. On voulait lui manger la sauce jumelée. Et ça l'a loupé. They wanted to eat in the sorcery and they missed him. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? And we said, what does he have? Je suis maintenant mieux placé pour le comprendre. I am better placed to understand. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. That's le combat qu'il vivait n'était pas physique, mais il était spirituel. Malheureusement, il n'a pas eu les armes. It's a spiritual battle. It's a spiritual battle, and he knew it. Unfortunately, he didn't. Et c'est ce que je veux parler tout le temps, pendant mon séjour. C'est ça que je veux parler. Comment avoir la victoire sur la sorcellerie? And that's what c'est I'm going to parler talking about. Tout ce temps. That's what I'm going pendant to talk séjour. About. Que vous voulez ou pas, existe la sorcellerie. Whether you like it or not, sorcery exists. Que tu crois en ça ou pas, la sorcellerie existe. Whether you believe in it or not, witchcraft exists. D'ailleurs, elles aiment bien que nous croyons pas. They even like it when you don't believe it. Ils veulent même pas que vous croyiez à ça. They don't want vous leur permettre de travailler librement. To allow them to work et puis accuser d'autres choses. And to cost as much. On ne peut pas nommer ce qui n'existe pas. You cannot name something on ne that peut pas exist. Nommer ce qui n'existe pas. You cannot name something that doesn't exist. Si c'est un nom qu'on dit sorcellerie, c'est que ça existe. If it's somebody in sorcery, that means it exists. Celui qui vous dit la sorcellerie n'existe pas, someone who tells you that sorcery et qui défend la sorcellerie, and that defends sorcery, c'est un avocat du diable, c'est un sorcier. It's an advocate of the devil. Je peux comprendre qui tu ne connais pas. I can understand it. Okay, donc tu prends la peine d'écouter ceux qui savent la chose. So parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Tu sais quel c'est
C'est pas tout le monde. It's not everyone that knows. Même les scientifiques, ils te couvrent toujours. Even the scientists. On fait des tunnels de couvert, des vaccins, des temps, ils te couvrent. On te couche sur la tête ici. They discover all kinds of medications. Donc si tu connais pas. Ne dis pas que ça n'existe pas. Do not say it doesn't exist. Parce que tu ne connais pas. It's because you do not know. Donc quand ceux qui en parlent, faut pas se les blâmer. Do not blame them. Mais dis que la sorcière n'existe pas. But to say that it doesn't exist is a very big mistake. Très grave. It's a very big mistake. Ok. Donc la sorcellerie, c'est un truc spirituel. Sorcery is something spiritual. Ce n'est pas physique. It's not physical. C'est spirituel. It's spiritual. C'est en esprit. It's in the spirit. Que ça se fait. That it happens. Amen. Amen. Or, le monde spirituel. On the other hand, the spiritual world. Comment le monde visite? Is what commands the physical world. Le problème, mon papa était spirituel, c'est pas physique. The problem my father has was spiritual, not physical. Il pouvait tout faire, mais il pouvait pas parce que son combat était spirituel. He could have done everything, but he couldn't defeat them because he was spiritual. Amen. 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 Et un jour. And one day. C'était un jeudi, en 93. It was a Thursday. Nous avons mangé avec lui un jeudi. We ate with him that Thursday evening. Et ça, c'était la dernière fois où nous voyons notre papa vivant. That was the last time we saw our father alive. Le lendemain, c'était un vendredi. The next day was a Friday. Comme d'habitude, il avait l'habitude de vite se réveiller. As he usually he wake up in the morning. Il allait dans la douche. He would go to the shower. Et c'est là qu'on l'attrape. And that's where they caught him. Il allait, il est tombé dans la douche. He fell in the bush. Il a commencé à crier. He started shouting. Il criait comme étrangle. He was shouting, they're strangling me. Il criait comme étrangle. They are strangling me. Nous sommes tous levés. We all woke up. Ils sont entrés dans la douche. We went to the shower. Et on a vu notre père. And we found our father. Exactement, c'était comme si on était de lutter avec des gens. Il luttait. Et on a pris du coup. We observed. Mais nous étions tous ignorants. We were all ignorant. C'est ça le problème de l'ignorance. That's the problem of ignorance. C'est la plus grande des maladies. It's the biggest. L'ignorance, sickness. C'est la plus grande des maladies. Ignorance is the biggest sickness. Il vivait une situation. He was living a situation. Et nous, on ne maîtrisait pas la chose. And we donc on le porte, on la voit au salon. We saw et la douche, in the shower. Et il a commencé à crier. And he started shouting. Il parlait comme s'il tentait de parler. Et puis à un moment donné, on a senti que les forces lui ont abandonné. Mon père a commencé à baver. Les yeux noirs, c'est devenu blanc. And at some point, we felt like the forces had left him. His eyes were being transformed. His body was being transformed. He was becoming pale. Et on a regardé. And we looked at him. Moi, je croyais même pas que c'était la mort. Non, moi, je. I didn't even believe that was death. C'est mon frère aîné qui a été choqué. It's my elder brother who was shocked. Il a regardé. He looked at him. Il a touché. He touched him. Il nous regarde. He looked at us. Il dit qu'il est mort. He said he is dead. Moi, je l'ai dit là, attends. And I said no. C'est trop facile. It's very easy. Qui a mangé avec nous. Somebody that ate with us. À la veille, qui vient de manger, qui a mangé avec nous à la veille. He ate with comment us. Il peut venir mourir? Suddenly. Il est mort. How can he die suddenly? Les gens commençaient à pleurer, vous connaissez, ça crie, ça crie. Everyone started crying. Nos parents sont venus, laï, 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 il faut le prendre. Laï, 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 les mois est vendredi. Donc il faut le prendre, il faut l'envoyer dans le petit trou. So they came to take him. Le monsieur, c'est pas s'il est venu ou bien. Laï, 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 les gens veillent là. Even though he just collapsed. Ils sont allés dire ça aux imams, ils sont allés dire ça aux prêtres. Nous, on a appelé ses parents. Ses parents qui vivaient en Europe. Ils lui ont dit, vous savez, chez nous, dans notre culture, bété. You know, in our culture, bété. Même si quelqu'un meurt ici aux États-Unis. Even if someone dies in the US. Comment ils sont they will bring his body. On n'enterre pas l'étranger. They don't bury strangers. Et si c'est une personnalité ou bien quelqu'un l'aîné de la famille, if it's a personality on ne fait pas family, vite. We don't on fait des cérémonies, c'est rien, mais des funérailles grandieuses. We do ceremonies. Donc c'est pour ça mon père. Ils ont dit non, 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 non. Vous l'avez là, il l'a attendez d'abord. That's what happened to our family. Là, attendez, là, il l'a attendez. We asked them to. Et puis donc ils ont pris le corps de mon père, on l'a mis dans le corbillard. Et moi, je ne croyais pas qu'il était mort. I didn't still believe je voyais que les gens pleuraient, mais j'étais ignorant, ça ne me disait rien.
As some people crying, I was I touched his body, I said, but he's going to be all right, I believe. Et donc, on voit le corbillard, on le force rentrer dans le corbillard. Parce qu'on ne veut pas y aller, merci. Pourquoi? Je ne sais pas où l'amener. Je suis rentré dans le corbillard, il y aura qui j'étais. Ok. On avait le corps de mon père. They had the body of my father. Et on expose bon, le corps de mon père. On expose his body. Et le morgue change avec nous. The mortician said. Et après ça, after that, il fait des analyses. He did analysis. Il nous fait ressortir de son bureau. He made us come out of his office and told us. Qu'il est mort. He's dead. Je l'ai regardé droit dans les yeux. I looked at him straight in the eyes. Et il pose la question à mon frère aîné. He asked my elder brother the question. Qui a étranglé ce monsieur, votre papa? Who strangled your father? Il s'est bagarré avec qui? Who did he fight with? On dit personne. We said no one. Il dit si. He said yes. Parce que les analyses annoncent qu'il aurait tout fait. An analysis showed he was strangled. Là, moi, je suis tombé dans la mort. And then I fell into. J'ai commencé à pleurer maintenant. C'est là qu'on s'est pleuré. That's when I started crying and shouting. Je l'ai regardé droit dans les yeux. I looked at him straight in the eyes. Et il dit non. Lui, il est aussi dans une ethnie et dans notre même région, c'est l'Ouest. Nous sommes de la zone forestière, centre-Ouest. We are from the forest area. Donc le monsieur aussi, il est dans la même région. He's from the same. C'est un guéri. Ouais, donc il dit, c'est un sorcier. Si on l'a pas étranglé physiquement, on l'a étranglé spirituellement. He said if he hasn't been strangled physically, it was spiritually. Le mot sorcellerie est revenu dans ma tête. And that's how et le dit dans ma tête, convaincu, convaincu. Qu'est-ce que c'est un sorcier qui l'ont tué? That sorcerers have killed him. C'est là venue ma conviction. Que ce que mon père disait, il avait raison. And that's what my father was et c'est là que j'ai commencé à comprendre. And I started understanding les efforts que mon père fournissait what my father was pour se protéger. To protect himself. Comme ça, j'ai compris. Against the sorcery. Et j'ai dit, wow. I understood and I said, wow. C'est que c'est sérieux la sorcellerie. This is serious sorcery. Jusqu'à ce point. At this point. Parce que moi, pour que quelqu'un meure. For someone to die, il doit avoir une raison. There have to be a reason. La maladie. Pour moi, quelqu'un doit mourir de la maladie. Somebody should die mais of sickness. But he didn't die of sickness. Okay. Je commençais à avoir peur. I started having fear. Je commençais à avoir peur. I started having fear. Et j'ai vu pendant les funérailles de mon père. And I saw during the funeral of my dad. La manifestation de la sorcellerie. The manifestation of sorcery. En Afrique, chez nous. Nous avons des traditions. In dans cette tradition, il y a la sorcellerie. We have traditions of sorcery. Amen. Amen. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis sorcellerie? Sorcellerie. We'll say, why sorcery? Sorcellerie veut dire. Sorcery means. Celui qui lance un mauvais sort. The one who throws a bad spell. Amen. Donc il peut prendre des pratiques mystiques pour te lancer le sort. They can take mysterious practices to throw spells. Il peut te t'empoisonner, c'est la sorcellerie. He can poison you through sorcery. Donc la sorcellerie c'est l'art de la nuisance. C'est-à-dire quelqu'un qui nuit, qui détruit la vie d'autrui. They are able to destroy the lives of others. That's sorcery. C'est tellement simple que ça. It's very simple, as simple as that. Et c'est partout en Afrique. Everywhere in Africa. Et partout dans le ok, donc en Afrique et partout d'ailleurs, c'est everywhere un peu in Africa. Donc les gens ont décidé de présenter un héritier à mon père, voici l'héritier de votre papa. On s'est plaint, on s'est opposé à ça. Ils ont fini l'enterrement de notre papa. Les gens nous ont menacés parce qu'ils voulaient qu'on se voie pour se raser, on a refusé de se raser. They wanted them to shave their heads, but they refused. Mon frère s'opposait. Who was opposing? Il est mort 6 mois après l'enterrement. He died 6 months after my dad was buried. Moi, je suis allé en France pour faire mes études. I went to France for studies. Ma soeur qui suit mon frère. My sister that follows my brother. Est mort après. She died after that. Donc le combat spirituel. So the spiritual. Sauf ça, frère. Quand tu vis un combat. When you leave a battle. Si c'est pas réglé. If it's not solved. Ça va continuer. It will continue. Ça va pas s'arrêter, ça va continuer. It will not stop. It will continue. Je suis mieux placé pour vous parler de la chose. I am better placed to talk about ça. It because I lived through it. Après mon père. After my father. La sorcellerie a décidé de disséminer ma famille. Sorcery decided to disseminate my family. Donc, quand mon frère est mort, que ma soeur est morte.
When my brother died and my sister died, ben c'était moi. The next one is me. Moi j'en parlais, j'ai dit ils vont m'attaquer. I was talking about it, they're going to attack parce que j'ai compris depuis la mort. Because I understood that from there. J'ai eu la leçon. Vous savez, I had a reason. Vous savez, il est important que Dieu vous parle. It's important that God speaks to you. Que Dieu vous donne la révélation God gives de la situation dans laquelle vous vivez. God gives you the revelation of the situation. J'étais encore marié quand Dieu m'a fait comprendre que le problème que je vivais dans ma famille était aujourd'hui. I was still a pagan when God showed me that the problem was spiritual. C'est la révélation de Dieu. It was a revelation from God. Quand ils vivent une situation, that people that show a situation, they are still nobody can hear them. Révélation que j'ai la sorcellerie. They don't have the revelation that is And I'm sure that they're going to attack me. They looked at me straight in the eyes. Slow down. You talk too much about sorcery. In Europe, where is the sorcery? They forget that sorcerers can fly by plane. Delta Airlines, American Airlines, Air to Fly. Ils ont ce chien balai. They also have brooms. They fly on the brooms. In 15 minutes. In 15 minutes. Ils sont en Europe. Then Europe. Pour arriver sur la fête 3 heures du temps. To come here, de Baltimore, 3 hours. À l'aéroport de Dallas. Baltimore to 3 heures. W. 3 hours. Et ils ont même visa. Eux-mêmes, ils ont visa. C'est un chichi peu. They have their own visas. Donc ils vont pas d'ambassade. They don't have to go to the embassy to take visas. They have their visas. Ils ont leur jet privé. They have their private jets. Et puis prennent ça. They take it. La sorcellerie, vous voyez, c'est une science occulte. The sorcery that you see is a. Peut-être que demain ils vont développer les nouvelles technologies, les nouvelles stratégies de la sorcellerie. Tomorrow I might show you. Passons la science évolue. Sometimes science evolves. La sorcellerie évolue. Sorcery evolves as well. Si vous ignorez ça, if you ignore that, c'est ignorer la présence de Satan sur la terre. It's ignoring the presence of Satan on earth. Okay. Donc il vient. Moi j'aurais dit. So I told myself. Mon père est mort chez lui. My dad died in his home. Ça veut dire tout dit. That tells me everything. Sans maladie. No sickness. Même le banquier. Even the mortician. Il était choqué. He was shocked. Apprendre que mon père n'a pas étranglé. To learn that my dad was strangled. Or, le cou de mon papa, il y avait des bleus. C'est-à-dire les traces. They had marks. Des fers barbelés dans le cou. They had marks of strangulation around his neck. J'ai dit aux gens, arrêtez vos conneries. We said people saw. Vous savez qui vous pouvez avoir. Mais j'ai eu la révélation. Amen. C'est ça le problème. J'ai eu la révélation. I had the revelation. Du problème. Of the problem. Donc vous croyez à ça ou pas? Moi je sais. Whether you believe it or not, one thing I know is sorcery. It helped me a lot. Donc j'ai commencé à avoir peur. So I started being afraid that they would attack me. La peur n'était même pas l'abri d'attaque de la sorcellerie. Amen. Amen. J'avais peur, mais comment il m'attaquait? Il pouvait dire non, le petit là qui avait la peur, alors il laissait. They could have said, well, he's so scared, let's leave him alone. On a déjà mangé papa, on a mangé, on a mangé. We'll eat the father, the brother, the sister. Moi-même, je ne dormais plus. Je ne savais pas où mettre ma tête. I couldn't sleep. I didn't know where to put my head. Ils m'attaquaient. J'étais à l'école, je vomis le sang. They attacked me. I was vomiting blood. Vomis le sang. Vomiting blood. On m'a envoyé à l'hôpital. They sent me to the hospital. Et la personne ne me prend pas par l'hôpital. On m'a fait les examens. On dit, monsieur, vous n'êtes pas malade. They did all exams and told me I'm not sick. J'ai commencé à pleurer. I started crying. Oh, mais tout chaud. They touched me and said, you're all right. They thought I was happy, but not. Je savais que I knew that le commencement it was the beginning d'une grande maladie dans mon corps. Of a big sickness in my life. Et c'était pas faux. And it wasn't wrong. J'ai compris que c'était la sorcellerie. I understood that it was sorcery. Okay, mais là, c'est une semaine. They left me 1 week. De congé, je reprends encore une autre semaine. On vacation, and I took another 1 week. Et la chose se reproduit. And the same thing reoccurred. Je comprenais plus rien, moi. I wasn't understanding. Les gens, je ne comprenais plus. These
wasn't understanding. J'avais des douleurs internes. I had internal pain. On fait les examens. They did all exams. On ne voit pas la maladie. They don't see any sickness. On fait tout, on ne voit pas la maladie. They did everything, they don't see any sickness. Moi, je leur disais c'est la sorcellerie. And I told them it's sorcery. Je leur disais que j'étais convaincu. Voici. I was convinced. Dit, oh, c'est pas une question d'arriver dans la tête. Ils sont là. Ils sont en train d'agir. Si je n'arrive pas, ils sont présents. Whether I believe it or not, they are present. Je les oublie. Take it out or not, they are present. Ils continuent d'agir. They are continuing to act. They will continue. On dit parce qu'ils pensent à ça. They said it's because you think a lot about it. I said, but wait. Quelqu'un peut être pensé sur mon sorcier? Can somebody just be J'ai vu mon père mourir, j'y croyais pas. J'ai vu comment mon père mort. J'ai vu comment mon frère mort. J'ai vu comment ma soeur. Et si vous pensez que c'est amusant, les gens nous ont même menacé. Ils sont en train d'agir. Moi, je les ai oubliés. Dieu m'avait déjà parlé. God had already talked to me. Si Dieu te dit que le problème de vie est spirituel, celui qui vient de dire autre chose, il faut l'ignorer. If God reveals to you that it's spiritual, parce qu'il influence ta conviction. And somebody tells you otherwise, you need to ignore them. Il influence la révélation que Dieu te donne. They are influencing the revelation that God is giving you. If you ignore et that, ce qu'il dit, and you believe what they tell you, they are going to put you in a hole. Tout ce que les gens venaient dire après, and all that everyone was telling you, it was said nothing to me. It meant nothing. Sorcery exists. J'ai un plan pour me dire, il me regarde jusqu'à, il me dit, on voit rien. Eh bien, attends, mais on va bouger. On a fait toutes sortes d'examens. And they have made all the test exams. On a fait tous les examens. Dieu lui a dit, mais attends, je comprends. Parce que mon problème, c'est mystique. Il m'a regardé comme ça, on avait les yeux, les lunettes. Il m'a regardé. Vous dites quoi? Il dit, c'est mystique, mon problème. He told the doctor, my problem is mysterious. Il dit, vous croyez? Il dit, mais je crois ça. He asked him if he believed. He said, yes, I believe. He said, take out of mind. C'est la sorcellerie. He said, it's sorcellerie. Il se rapproche de moi de Toulouse. And after that, he touched me. He said sorcery. Il dit ça n'existe pas. Il dit si ça existe. He said it doesn't exist. Ça existe chez He said it exists in my place. Chez vous peut-être non. Maybe in your place no. Chez nous oui. But in our place yes. Il y a la réalité occidentale. There's a continental Il y a reality. La réalité africaine. There's a reality, an African reality. Chez toi blanc. In your place. Tes parents ont combattu les sorciers. Your parents defeated sorcery. Ça n'existe pas. Pourquoi tu les sorciers? They fought sorcery. 14, 15, 16, 17e siècle, 3 siècles en train de tuer tous les sorciers. 3 cycles killing all the sorcerers. Qu'on appelle la chasse aux sorciers. They call it chase of the sorcerers. Et on appelle ça l'inquisition. Eclipses. C'était, on mettait un tribunal, il y avait un juge qui disait aux sorciers, tu as mangé quoi? C'est ce que je sais faire justement. Well, you have a Et tu judge, vas prendre toute la confrérie, on les brûle au bûcher. Du pied, judges the sorcerers. And then they end up being burnt from head to toe. If you don't believe, why did your parents burn the sorcerers? But it's not dans the reality. But for us, we talk about it. Chez nous, il neige pas, n'est-ce pas? For us, chez eux, il neige. For us, Il ne peut pas y croire parce que ce n'est pas dans sa réalité. C'est moi qui crois ça. Donc je ne peux pas moi accepter ce qu'il croit. Il ne peut pas aussi m'amener à accepter ce qu'il dit. Non. Je lui ai dit mon expérience. Il ne croit pas. Donc je lui ai dit stop. Stop. I told him to stop. Ce qu'il dit, moi j'ai vécu une expérience. I told him I believe that experience. Il dit à mes parents qu'on fait une thérapie, ils n'ont qu'à me voir un psychologue. J'ai dit le plus puissant psychologue sur la terre, il ne peut pas m'acheter ça dans la vie. Him to see a Faut les envoyer par milliers. Les mecs, arrête là. Moi, je les convainc. Je vais convaincre les psychologues et sorcières. You can send all the psychologists, I will convince them. Ce psychologue va m'amener à aller sorcellerie, n'existe pas. How can the psychologist take the thought of sorcery off my mind? Cette histoire des sorcières, ça ne date pas des crachots. Dans nos villages, on n'a pas. La mort de mon combat, tout le monde dirait des sorcières. Everybody in my village said it was sorcery. Avec pas les Je leur ai dit, vos histoires. Moi, je sais que les sorciers sont en train de m'attaquer. Mais je ne savais pas comment faire pour me délivrer de la sorcellerie. I knew that sorcery exists, but I didn't je ne savais pas comment faire pour me délivrer de ce problème. I didn't know how to get myself to be delivered from that problem. C'est ça le problème. That's the problem. C'est ça. That's the problem. On a une situation, on ne sait pas comment se délivrer de cette situation. We have a situation and don't know how to get delivered out of it. C'est là que je vois un jour venir me parler de Jésus. And that's when they came and talked to me about Jesus.
Hallelujah. Et on ne parle de Jésus avec Jesus with so much passion. On ne parle de Jésus, on ne parle de Jésus. We're talking about Jesus. Et en conclusion, for conclusion, c'est que Jésus peut te guérir. Jesus can heal you. I say Jesus heals. You want Jesus bébé, je vois le nouveau. Jesus. Oui, il voit Jésus à la croix. I'm thinking of Jesus on the cross. On dit les morts. Where will he come out to help me? J'ai une autre manière de voir Jésus. I had a different way of seeing Jesus. Moi, je m'interdis d'écouter les chrétiens. I was forbidden to listen to Christians. Mes parents disaient que les tous les témoins de Jéhovah, ils le fuyaient. Quand le monsieur voyait ça, qu'il a vu, il dit, mais on le chasse. Parce qu'on ne veut pas venir à l'église. Yes, they usually drove. Nos parents disent quand je l'écoute une minute, ta tête est changée. When I listen to them, comme un mouton. You follow them. C'était like, dans nos têtes. Like good. So that went. Je ne connaissais pas l'église. We didn't know church. Et elle me dit, Jésus peut te guérir. And she told me, Jesus. Je n'avais jamais entendu un message comme ça. I've never heard such a message. J'avais dormi. Fétiche. On a fini avec fétiche. On est passé partout. On a pris Nassigui. Le Nassigui, la Bible explique. C'est-à-dire, le féticheur, le marabout, là. Il a une tablette. Il écrit en arabe. Yes, une version coranique. Et puis, il nettoie la tablette, là. And then he cleans the tablet. Son nom bizarre. Vous buvez. And then he takes his water. C'est la grâce de Dieu, je ne connais pas de ni sorcier. It's the grace of God that we did not become sorcerers. Mais tu ne sais pas si c'est écrit, tu bois. He said it's not what we've raised that on a tout bu ça. We put trying to réfléchi. Quel marabout. Marabout, il y a un père. André autoroute. On a eu les gens aveugles. Bouche mère, ça sent un PC. On a vu tout ça. We have seen all kinds. Le gars même qui les a envoyés, il est mort. The very person that sent them died. Il fait quoi avec les marabouts? So what does he do with? Donc là-bas, déjà j'ai trouvé qu'il n'y a pas de solution. So donc elle vient me parler de Jésus. Solution. Frère, c'est ça qui est au sorcier. Merci, hein. Encore de vous, vous connaissez Jésus. So I'm going to say thank you, sorcier. Vous l'avez sûrement merci. Because of you, I know Jesus. Ok. Donc parle de Jésus, j'ai réfléchi. So we talk about Jesus, I'm thinking. J'ai dit, je fais l'expérience. And then I said, amen. Experience. Amen. Amen. Je fais l'expérience. I had the experience. Je suis allé à l'église comme ça. When I just went to church, just like that. Ma première fois à l'église. My first time. C'est bizarre. Très bizarre, je me cherche devant. It was very strange. C'est que Jésus vient le premier, le touche. Quand je dois venir, I was first expecting that Jesus would come and touch me first. Avant d'arriver, quand il se fatigue, là, quand on va dire, il me touche déjà, il n'est pas encore fatigué. Là, je suis devant. So I was right in front. J'attends Jésus. I was waiting for Jesus. Et comme ça, je ne ferme pas les yeux. I didn't close my eyes. Ben, si tu le vois, je peux le voir dans une vision, il l'attrape pour dire, monsieur, je me voici, guéris-moi. So I can see him even in a vision, catch him and let him hear me. Chanter, we stood up to sing. Je regarde. I look. On a fini le culte. We finished the service. I didn't see Jesus. Je voulais faire un entretien de pasteur. Et il y a eu un entretien de pasteur. I went to the pastor. J'ai conté mon histoire. I told him my story. Ça va aller, la foi. Il dit, il y a la foi. He told me, it will be okay, your faith. Il dit, il faut accepter Jésus. Donc, je l'ai accepté. So, j'ai accepté Jésus, tout ça. He said, accept Jesus. Je lui ai dit, pasteur, est-ce que Jésus peut me guérir? And I told the pastor, il m'a donné les exemples, il me parlait de tout. And he told me about everything. Ça m'a encouragé. He encouraged me. Je suis venu encore à l'église. I came again to the church. Devant, pressé, je suis devant. Always in the front. Je ne ferme pas mes yeux, je regarde. I'm not closing my eyes. I'm looking around. Je n'ai pas vu Jésus passer sa robe. I didn't see Jesus pass by. Là, chez moi, il allait passer une longue robe. I thought he would pass by with a long robe. Je l'ai tiré la robe pour dire. And I'll catch the robe. Je l'ai pas vu. I didn't see him. Je suis resté pendant deux semaines. I stayed for 2 weeks. Je n'ai pas vu Jésus. I didn't see Jesus. Je m'avais dormi. I went to sleep. Les mêmes choses se reproduisent. The same things will occur. Donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? So I said, what is happening? Après l'église là, c'est comment? But in that church, j'aurais dit, moi je suis pas venu à l'église. I told them, I won't come to the church. Et ça, j'avais déjà dit ça à ma cousine, que je suis pas venu pour être membre de votre église. I didn't come to be member of your church. Mm-hmm. No. Pas m'envoyer être membre de l'église. Why sending me to be member of the church? Si Jésus me guérit, if Jesus heals me, okay, tu peux rester. Then I can stay. Mais je peux pas être membre de l'église.
But I came to be a member of the church. J'ai même posé la question, pasteur. So I asked a question to the pastor. Pourquoi je suis pas guéri? Why am I not healed? Ça fait des semaines, deux semaines, je suis pas guéri. I'm not healed. Jésus dit où? Where's Jesus? Il m'avait dans son bureau, il venait me convaincre. He brought me to his office to convince me. Je vais à l'église. Okay, you came to the church. Tu as le paradis, tu iras au paradis, je le réalise, droit dans le. You're in paradise, and I looked at him. Straight in the eyes. Après la mort, c'est ce qu'il ne veut pas faire. C'est l'erreur. J'ai dit, moi, après la mort, je fais quoi? Me, after death, what will I do? Il dit, tu vas aller à la droite. Then you go to the right. Je n'ai pas vu Jésus ici, c'est à l'arrière de moi. I didn't see Jesus here. Is it up there? I'll see him. Et puis moi-même, qui t'a dit que je vais mourir? And who told you I would die? J'ai dit au pasteur, j'aime la vie. Hein? I told the pastor, I love life. Mon papa est mort. My dad died. Mon frère est mort. My brother died. Ma soeur. My sister. Moi, j'ai mourir. Me die? Non. No. Et puis, j'ai une conviction. And I had a conviction. Que les sorciers n'allaient pas me tuer. I knew in my conscience that I would get out of it. I knew that God would get me out of it. Comment? I didn't know. Je pense que c'est Dieu qui m'avait donné cette conviction. I believe that God gave me that conviction. He gave me that conviction in my heart. J'ai dit, pasteur. I said, pastor. Le paradis. The paradise. Ne m'intéresse pas. It doesn't interest me. Je suis désolé. I'm sorry. Le paradis ne m'intéresse pas. Paradise doesn't interest me. Je suis là-bas dans le musulman, je crois au paradis. I am there in the Muslim world. Au revoir. I'm in paradise. Prends ton paradis. Bye. Take your paradise. J'étais vraiment abattu. I was really defeated. Sur cela qu'on dit malheur sur celui qui se confie alors. They said, mais Dieu voulait qu'il fasse une expérience personnelle avec lui. God wanted me to have a personal experience with him. Et notre sœur me parlait encore de Jésus. He wanted him to talk to me about Jesus. Je lui dis stop. And I told him stop. Après de Jésus. That thing about Jesus. C'est pas trop vrai vrai. It's not real real. Elle dit, je te demande pas de venir à l'église. He said, I'm not telling you to mais come. Faire une expérience avec Jésus. But have an experience with Jesus Christ. Oh, c'est ce que je voulais entendre. Je dis, and that's what I wanted to hear. Quelle expérience? He said, what experience? Elle dit à Jésus, si tu es vivant, Jésus, si tu es vivant, montre moi si je suis là-bas de mes problèmes. Show et me, de ce qu'ont tué mes parents. Show me who killed my father. J'ai dit, Jésus peut me montrer. Je suis allé dans sa maison. J'étais devant. Je ne l'ai pas vu. Right in front and I didn't see him. Je ne sais pas chez moi, bizarre, il va venir rester. Is it in my house that you will come and stay? Bon, quand je suis rentré, j'ai cette conviction qu'il fallait faire la prière. So when I came la, la soeur avait dit de faire ça. I had a conviction to make a prayer. Mais frère, je n'ai pas le choix. I don't have a choice. Je ne savais pas. I didn't know. Le diable me mettait souvent des mauvaises pensées. The devil put so many descends bad thoughts. Au village et puis brûle tout le village. About all the burning. C'était mon plan B. That was my plan B. On s'en est tous allés mourir. That all of us were going to die. On va tous partir. We'll all go. Oui, et c'est mauvais. Quand vous n'avez pas de Jésus, vous n'avez pas le Seigneur, c'est très dangereux. And it's very bad to be ça vous pousse à beaucoup de vilaines choses. It pushes you to do a lot of silly things. Je suis allé à partir que j'étais. As beaten as I was, si tu écoutes une prière, if you listen to a prayer, je t'adresse une prière. I am addressing a prayer. Je ne crois pas en toi. And I don't believe. Je ne sais pas si tu existes. I don't know if you mais exist. Si tu existes, but if you exist, écoute ma prière. Listen to my prayer. Montre-moi ceux qui sont la base de mes problèmes. Show me those that are the base of my problems. On dit tu es Jésus. They say you're Jesus. C'est fini. That's all. J'ai prié, j'ai dormi. I pray and I sleep. Quelques jours. A couple of days. Je rêve. I dreamed. Je fais un rêve. I had a dream. Et dans le rêve, in the dream, j'ai vu tous ces gens qui étaient venus au funérail. Non, funérail. I saw all those that came je ne sais pas quel don les gens ont. I don't know what gifts people have. Mais ils savent que lui là, au village, est un sorcier. But they know that this one is a sorcier. Là, dans la vie, là, elle est sorcier. This one in this life is a sorcier. Je ne sais pas quel don ils ont. I don't know what gifts they have. Tous ceux qu'on nous a montrés comme sorciers, je les ai vus. But all that he showed me as sorcier. Je prenais un chemin. Dans le rêve. I took a et puis je les ai rencontrés. And I've met vous comprenez quoi est le rêve là? You see the vous voyez le film? Je vous montre un peu le film. You see the vous marchez sur une piste, vous marchez. I was walking et vous voyez the des, mont, des personnes you see demons, bizarres. Persons, strange persons. Ils ont compté que les cachets.
that wore different kinds of noirs. Et puis ils ont des lances. And then they have spears. Et puis ils ont mis un cowlet blanc. And they have some c'est marks, white marks on their faces. Vous les regardez. You look at them. Je noie du noir, j'ai bourri, j'ai fui, bourri. For us, we run away. J'ai fui. I run away. Oui, je donne tout. I made a U-turn and ils m'ont chassé. And they followed me. They chased me. Et le rêve. Souvent dans le rêve, tu es fatigué. Ils m'ont rattrapé. Sometimes in the dream, you get tired. They caught up with me. Ils m'ont rattrapé dans le rêve. They caught up with me. Ils m'ont attaché. They tied me up. Ils sont allés m'attacher un arbre. They went and tied me on a tree. Et puis ils ont commencé à prendre la lance. And they took a spear. Everyone was shooting the spear. And then when they shot the spear, the head of the spear stayed in my body. Three on one side and three on the other. And I was screaming while I was screaming. And I looked in my room. I said, thank you. I have a good room. Tu dans la chambre. J'ai allumé. Je suis dans la chambre. Je touche. Tu es dans la chambre. J'ai eu peur. I was afraid. J'ai compris. I understood. La parole de la sœur. The word of the sister. Et je savais. And I knew. Et c'est Dieu qui venait de ma parole. It was God talking. Tu avais dit, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Le lendemain, je l'ai cherché. I had an experience with God. So the next day, I looked for him. La nuit là. I told the sister that night. Au départ, on me cherche. Moi, c'est moi qui les cherche même. I'm the one looking for Amen. The man. Je le cherche. I'm the one pour expliquer mon expérience. Pour voir ce qu'elle m'a dit. Parce que la première fois, elle a dit, j'ai fait ça marcher. Donc la deuxième fois, je vois. So the second time, elle m'a dit, c'est Dieu qui t'a montré. She told me God showed it to me. C'est Dieu. I said, it's God. Donc moi, j'ai dit, je voulais maintenant entendre, qu'est-ce que je dois faire? So I tried to understand what I had to do. Les personnes, elle dit, oui, j'ai pu voir le visage. She asked me if I could recognize the people. She said, I said, tu connais quel pays? J'ai dit, mais pourquoi? Do you know what country, what nation? Elle dit, tu fais le portrait, puis demande à ces personnes de te donner le nom de chacun. She said, make the portrait and ask each one to give their names. Je lui ai dit, non. Ils ne pourront pas me dire. Même sa vie sont sorciers. I told her, elle no, they will not tell me. Donc, j'ai fait le portrait, les six personnes. I did the portrait of the six persons. Ok. Donc j'appelle mon oncle. I call my uncle. Il me dit, quand il a commencé, il m'a dit, ah! And when I started, c'est un sorcier. He said, oh, that's a sorcerer. J'étais convaincu maintenant. Now I was convinced. Donc il fallait user de diplomatie pour qu'il me dise toute la vérité. Because I use some diplomacy. Il me dit, si tu es intelligent, ne parle plus d'eux maintenant. If you are intelligent, don't talk about parce que ils sont très dangereux. They are very dangerous. Ils sont dans votre problème. They are in your problems. Ah, donc encore, il confirme, il reconfirme. Il dit, très bien. So he confirmed it. Tu as dit, je m'en fous, si ils sont dans nos problèmes, ce sont les parents. Il faut aimer les parents. Il dit, si on ne les aime pas, hein, ils vont te manger. He said, if you don't love these people, they're going to eat you. Il dit, pardon, donne-moi. Il dit, ça te risque péril. He said, please, ça te risque. Give me the names. Tiens les noms. So he said, it's at your risk, take the names. Oh, moi, je voulais faire petit quelque chose avec les noms. I wanted to do something with the names. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit, voici ce qu'il vient de vivre. Elle me dit, prends le son 35. Je ne sais pas prier, prie. Je ne sais pas prier. Elle me prend le son, ne dors plus. Toutes les nuits, de minuit à 4 heures, commence à prier. From midnight to 4 a.m., start praying. J'ai vécu une première expérience avec elle. I experienced something. Et elle m'a expliqué que c'est les sorciers. And she explained. Et maintenant, je demande à mon oncle, il confirme qu'elle est sorcière. And I explained. Donc, je lâche pas. He confirmed. Je vais le pouvoir. Effectivement, quand j'ai commencé, la semaine qui a suivi, le même oncle m'appelle pour dire, celui à qui tu voulais donner le cadeau, là, il est mort. The same person I wanted to give a gift has died. J'ai dit, attends. Donc, après Jésus, là, c'est comme ça. And that's how. Parce que moi, je voulais que tout le monde tombe. I wanted everybody et to ils sont tombés au fur et à mesure. Ça and tombait. They fell one et ça grandissait à moi la foi en Jésus. And the en Jésus, ça grandit ma foi en Jésus. Et j'ai commencé à prendre la prière au sérieux. And I started taking si quelque chose arrive à ta voix en tant que chrétien, if something succeeds c'est que tu as négligé la prière. That means you neglected prayers. Je ne parle pas de celui qui n'est pas converti. I'm not talking about somebody je parle de celui qui est chrétien. Frère, I'm talking about the l'âme du champ de nous les chrétiens, c'est la prière. I'm, je ne parle pas de prayers. I just discovered that.
C'est quand nous dormons que le diable prend le dessus. When we are quand nous prions, Dieu nous donne la victoire sur le diable. When we are prayerful, God gives us victory. Et quand j'ai vécu cette expérience, and I lived that experience. Du coup, c'est là que j'ai dit à Jésus. I told Jesus, je veux te servir. I want to serve you. Je veux maintenant croire en toi. Now I want to believe in you. J'ai dit à Jésus. I told Jesus, je veux maintenant croire en toi. I want to believe in you. Parce que j'ai vu que tu m'as montré beaucoup de choses. Because you have shown me so many things. La même nuit. The same night. J'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre. I saw Jesus. Jésus, il est très glorieux. He is very glorious. J'ai vu Jésus-Christ descendre. I saw Jesus come down. Avec une couronne, il est venu avec une coupe en or. With a golden crown. Et il m'a versé l'huile sur ma tête. He poured some oil on my head. Il dit, je t'appelle aujourd'hui. He said, I'm calling you today. Comme prophète. As a prophet. Je vais expliquer un peu. I will explain it. D'autres personnes disent, non, il n'y a plus de prophète. Écoutez. Somebody said that. Prophète veut dire messager de Dieu. Prophet means messenger of God. And that's it. J'ai un message de Dieu. I have a message from God. Je suis prophète. I'm a prophet. Pourquoi vous combattez ça? Why fighting? Un prophète, c'est un messager de Dieu. J'ai un message. A prophet is a messenger of God. Je parle. I have a message. Je suis le seul homme de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Qui a révélé aux yeux de tout le monde qu'on peut détruire la sorcellerie. I'm the only person that God has revealed that you can destroy sorcery. Je suis l'homme de Dieu monde qui a montré aux yeux de tout le monde. I'm the man of God. Que Jésus-Christ peut même délivrer sorcier. That has been revealed that Jesus Christ can deliver sorcery. J'ai montré aux yeux de tout le monde. Dieu est passé par moi. I've montré aux yeux de tout le monde. Je suis aujourd'hui à 8738 sorciers délivrés. Sorcery. Il dit, tu es mon prophète, t'as dit, mon messager. He says, you're my prophet, my messenger. Bâtis ton ministère, bâtis ton ministère, bâtis ton ministère. This is your ministry. Je ne suis pas surpris du fait que je sois ici. I am not surprised that I'm here. J'avais déjà eu cette vision du Seigneur. I already had that vision. Bâtis partout dans le monde. Because il m'a dit, il allait partir partout dans le monde. Everywhere in the world, he said, you will go everywhere. Jésus m'a dit, toutefois qu'une personne aurait un problème de sorcellerie, Jesus said, en face de toi, je serai dans l'obligation de le délivrer. Every time Chacun a son don. Quand tu pars dans un hôpital, when you go to a hospital, on te parle d'un spécialiste. And they talk about a specialist. Lui, les spécialistes en poumon, lui, les spécialistes in lungs, en air, les pédiatres, mais tous les médecins, mais chaque spécialité. Every kind of specialist. Dans le corps de Christ, chacun c'est comme ça. La Bible dit, the Bible says, chacun, Dieu a appelé à chacun un ministère. God has called everyone for a ministry. Et chaque personne a reçu un don de Dieu. Everyone has received a gift from God. Donc voici comment j'ai reçu mon appel. And that's how I received my calling. Il fait de moi serviteur de Dieu. He makes me a servant. Je ne suis pas levé un matin pour dire j'ai servi Jésus. I didn't come out one morning to say I served Jesus. Quand je me suis levé de mon sommeil, when I got up from my sleep, j'ai senti de l'huile partout dans le lit. I could sense him everywhere in my bed. Autour de moi, tout ça. Everywhere. Et je suis que quelque chose, Jésus-Christ a mis quelque chose dans ma tête. And I knew that Jesus Christ has put something on my head. Comme un appareil. As an instrument. Ce qui fait que quand je rencontre un sorcier, je sais qu'il est sorcier. That's why when I meet somebody who is a sorcerer, I know this is a sorcerer. De toute façon, il y a détecteur de billets de banque. There are detectors that can detect the bills from the bank. De I'm a detector of sorcerers. Ça vit en moi. It lives in me. Ça se déclenche. Et quand ça fait les six tours dans it ma tête, sets off. And when bon, it makes the six descend, tu es sorcier. Go up, come down, you're a sorcerer. Je vis avec ça dans ma tête. I live with it in my mind. Plus tu parles, plus je vois ça, plus tu parles, ton écran, ta tête devient comme un écran de télé. Puis je commence à t'expliquer. The more you talk, the more I can see you like a screen. S'ils ont enterré un fétiche, if they have buried something fetishes,
L'esprit qui est en moi, l'esprit de Dieu, me ouvre les yeux, puis je localise là où est le fétiche. Opens my eyes and I'm able to localize those fetishes. C'est le don de Dieu. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. The Bible says that diversity of gifts. Il a beaucoup de dons. So many gifts. Mais c'est Dieu qui donne. But it's God who gives. Dieu qui donne. God gives. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'avoir un don de sorcier pour attraper un sorcier. I've never asked God for this gift. C'est pas un travail. It's not a job. Mais c'est le travail de Dieu. It's the work of God. Moi, dans mon intention, c'était de travailler. It's the work of God in my life. Mais Dieu m'a choisi. God chose me. Je le sais. I know mais it. Il m'a choisi pour quelque chose. He chose me for something. Quand Dieu te choisit, c'est pour quelque chose. When God chooses you, it's for a reason. Donc, je suis prophète du Seigneur. I'm a prophet of God. Dans la destruction. In the destruction. De ceux de la works of je connais mieux la Côte d'Ivoire. I know more of idols than more of the servants of God. Je suis allé dans beaucoup de villages. I've gone to many villages. Je suis un prophète des villages. I'm a prophet in the villages. Moi, I, selon Dieu, according to God, c'est de permettre aux gens qui sont en vie de venir construire dans leur village. Is to is for people to allow me to or, come and build in their villages. Il y a les gens qui leur empêchent. The people that prevent them. C'est ces personnes-là que je combats. Is that those are the people that fight? Voilà, donc c'est le don Dieu m'a donné. It's a gift that God has given me. Je combats les œuvres de la sorcellerie. I fight the works of sorcery. Il n'y a pas un sorcier qui peut me résister sur la terre. C'est une promesse de Dieu. There's no sorcerer that can resist me on this earth. It's a promise of God. C'est la promesse de Dieu. It's a promise of God. Tu n'as qu'à être la rose croix, la franc-maçonnerie, la plus grande magie au monde. You can be in the rose tu me rencontres, nez à nez. You meet me face dès to face. Que tu fais tomber, tu vas vomir le sang. Quand tu vas te lever, tu vas accepter Jésus-Christ. God, c'est le nom que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Je me souviens, j'ai écouté le témoignage de la sœur. I listened to the sister's testimony. Les vidéos que vous voyez, the videos that you c'est watch, les gens qui ont voulu qu'on les poste. There are people that wanted me to post those videos. Au départ, ça m'intéressait pas. At the beginning, it wasn't my interest. Je dis non, c'est la publicité. I said no, it's publicity. C'est les journalistes qui m'ont poursuivi dans un village. Journalists pursued me in a village. Et qu'on commençait à écrire sur moi d'abord. And they started writing. Et comme dans la Côte d'Ivoire, il y a un site qu'on appelle Abidjan.net qui relève tout. Les gens de l'étranger voient ça. C'est à partir de là que l'étranger a commencé à m'appeler. So, et les gens qui étaient autour de moi m'ont dit, mais tu vois. Through one web company, he was able to, de savoir des choses. To put his work out there. Et c'est comme ça l'internet est parti. And that's how it went et out. Et ça a aidé beaucoup de monde. And it's helping so many de people. De comprendre parce qu'on a démystifié la société. To understand because we have démystified society. Au moment où nous disons Jean Beno village. Sometimes people say I'm not going to si the village. They said come to the village. If you have yes. Jesus. Amen. Amen. Donc je suis depuis un moment dans les tournées. And sometimes moving around. Je viens de l'Europe. I come from Europe. Ça fait la troisième tournée. It's 2016, 2017. It's the third time, 2016. On a fait un grand programme. On a fait à Lyon, à Paris. We went to Lyon, to Paris. Italie. Italy. L'année dernière, j'ai fait six pays. The last year, we did six countries in Europe. Et c'est la sœur, ma fille Honoré, ma fille spirituelle. It's my daughter, Honoré. C'est elle qui m'a dit il faut venir aux États-Unis. She said you must come to the U.S. Je suis un homme n'aime pas trop prendre l'avion. I'm somebody that doesn't like planes very much. It's not my friend. L'avion n'est pas mon camarade. The plane is not my friend. Et les zones de turbulence, c'est bizarre. The turbulence are kind of. Paris. Abidjan, Paris, au moins c'est bon. Abidjan, Paris is there. Chez nous, il n'y a pas une vol direct. Non. For us, there's no direct. Paris, Washington. We have many stops. Tu fais 24 heures. 24 hours in the plane. Je vais venir la demander pardon. La première invitation, je vais venir. She brought invitation. Je vais banaliser. I will come. C'est elle-même qui est venue. Elle est allée dans l'ambassade. Elle suivait de près. Elle est en Belgique. Je suis revenue de la Belgique. Elle dit pardon. Va l'ambassade. Va. She actually followed up with everything. Nonchalamment, mais j'ai eu mon visa. I was reluctant, but I had a visa. Et mon objectif c'était de venir avec partager mon expérience avec la diaspora américaine. The objective was to come here and share my experience. Donc c'est l'année dernière que je suis arrivé. Nous avons beaucoup travaillé à Baltimore. Aussi, on a eu un programme à Virginia. On a eu un programme aussi
Atlanta. Last year I came to Baltimore, Atlanta, Miami. Voilà, donc, et j'ai aussi l'expérience de connaître aussi Béatrice. And I had experience of knowing Beatrice. Et Laurence aussi. And Laurence. Donc depuis ça, il y a un comité des fils spirituels, des enfants spirituels, qui sont mis ensemble. I had spiritual children. Et qui ont commencé à me motiver et à m'encourager dans le travail. And they were motivating me and encouraging me in the work. Et quand elle a appris que j'avais orphelinat. And when she learned that I had an orphanage, elle a dû négocier parce qu'il y avait une ONG qui chausse les enfants. She did a negotiation. Et grâce à elle aujourd'hui, and because of her, nos enfants ont des chaussures. Que Dieu te bénisse. Elle aussi a fait l'invitation de venir aussi au Texas. And she did the invitation to come over to Texas. Et je remercie le Seigneur. And I thank God. Que je sois là, il y a des gens qui ont payé le prix d'être. There are people that pay the flight to be here. C'est des personnes, c'est pas moi, c'est des personnes qui ont payé le prix d'avion. And people that paid it to be here. Et que Dieu vous bénisse pour ça. And God bless you. Vous avez une très bonne fille, pasteur. Ouais. Elle est très loyale. She's very loyal. C'est-à-dire qu'elle est avec toi, elle est avec toi. Et ça, c'est très important pour le ministre. It's very important for the ministry. C'est vraiment très important. It's very important for the ministry. J'ai béni le Seigneur. I bless the Lord. Je vous remercie de vous connaître. To know you. Connaître votre épouse, connaître l'église. Know your wife, know the church. Nous venons d'introduire le programme. We'll introduce the program. Je priais une nuit toute la nuit. I prayed all night. Et puis Dieu m'a montré une vision. God showed me a vision. C'est l'esprit qui combat l'église. The spirit is fighting the church. C'est quand je suis descendu de la voiture de la sœur. When I came down, j'avais ma Bible, the car of the sister. Je devais rentrer par la porte ici. I had my Bible. I had to come through. J'ai vu un animal. I saw an animal. Kangourou, c'est comme kangourou. Like a kangaroo. Ça saute. He was jumping. Okay. Mais tu as deux têtes. He has two heads. Il y a la tête de chauve-souris. The head of a rat. Et il y a la tête d'un loup, de ours, là, les chiens, tout comme les chiens. The head of a wolf. Donc, quand la porte, j'ouvrais la porte. When I opened the door. Ça sautait une fois, deux fois. Ça, it jumped one, et two times. Et c'est tombé sur moi. And it fell on me. Et j'étais en train de hurler. C'est en train de me mordre. C'est en train de me mordre. Biting him. Et ça m'a lutté. He was fighting him. Et on a lutté ensemble. We fought together. We fought. J'ai commencé à prier. I started praying. Ça me mordait, ça voulait me tuer. Ça voulait me mordre. Et quand j'ai dit Jésus, j'ai senti que Dieu m'avait donné une épée dans la main. And when I said Jesus, découpé, the Lord gave me a weapon to cut him off. Et quand la chair est tombée, ça disparaît. Le Seigneur m'a dit, prie beaucoup pour le ministère de mon serviteur. The Lord revealed him. Prie beaucoup. Pray for the ministry of my servant. Voilà, prie. Et il y a un esprit de tonnerre qui règne sur tous les Texas. There's a spirit of Texas. Qui règne sur tous les Texas. Tornado. C'est un esprit bizarre qui règne sur tous les Texas. It's a strange spirit that reigns in Texas. C'est pour ça que demain il va pleuvoir ici. That's why tomorrow is going to rain. Amen. 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 Dans tout le Texas. In the whole of Texas. J'ai beaucoup prié pour ça. I prayed a lot. Parce que quand vous venez quelque part, when you come somewhere, dans une nation, in a nation, dans une ville, in a, il y a des esprits de la ville. There's a spirit. La ville dit, quand vous rentrez dans la maison, il faut que l'emploi soit lié. When you come to a house, parce qu'ils savent qui je suis. They know who he is. Ils savent qui je suis. They know who he is. Dieu nous a fait la grâce de donner une onction pour les nations. God has given us an anointing. Pour maîtriser les esprits des nations. To master the spirits. Pour maîtriser les esprits des villages. To master the spirits in the villages. C'est le don que Dieu m'a donné. It's a gift that God has given. Parce que là où il y a l'esprit, where il y a plus de prospérité spirituelle. There is no prosperity. On va voir les finances avancées, mais le spirituel, ça n'existe plus. Parce que l'esprit contrôle toutes choses. It does not exist because the spirit. Donc c'est l'esprit que je voulais savoir. It's that spirit that I wanted to know, and God revealed to me. And that's what I was talking about. And I defeated that spirit. Et que Dieu rend vos ministères prospères. And God rend your ministry prosperous. J'ai compris pourquoi le ministère meurt ici au Texas. I understand why the ministries are dying in Texas. N'ont pas envie de connaître Dieu. People don't want to know about Jesus. J'ai compris beaucoup de choses. I understood a lot of things. Mais que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous fortifie dans votre travail. God strengthen you. La sœur a fait sortir un témoignage. The sister brought a testimony. Dans ce qu'elle disait. In what she was saying. Où le serpent. About the snakes. Ce serpent. This snake. On
c'est un dragon. It's a dragon. Le village sait. The village. Ils adorent ça. The people of the village. C'est pas les choses qui dans ce village là, c'est un gros. It's voilà, c'est le vrai nom de ce gros. Mais tu chantes très bien. Tu te bénis, t'as dû chanter là. You sound very well. Voilà, donc le village c'est gros. Donc le serpent là, il boit le sang des gens. Drinks the spirit of il est dans le village, il boit le sang des gens. He drinks the blood of people. Ils m'ont appelé. They called me. Vous voulez faire la délivrance. To come and do a je suis dans une ville, dans une région. I went to en Côte d'Ivoire. In Ivory Coast. Ils sont les numéro 1. They are number one. En sorcellerie. In sorcery. Amen. Amen. Bientôt 5 ans, je suis là-bas. Now 5 years I've been there. On les envoie seulement tu le prophète. They sent them to me. Ils envoyaient un, il était là. They sent one, he was il a voulu sortir de son corps m'attaquer. They wanted to il est tombé derrière tout me. Attack me. He fell down. Je dis, mais pourquoi tu veux manger? I said, but why do you want to eat me? Pourquoi tu veux manger? Why do you want to eat me? Non, m'envoyer. On t'a envoyé. They said, I've sent you. Je t'ai fait quoi? Tu what veux have manger? I done to you that you want to eat me? Non, on a envoyé de Guitry, c'est notre vie. C'est un des guidants encore juste à côté. They have sent me, a leader has sent on a prié, j'ai fait la délivrance, j'ai dit bon, va. Quand I did the deliverance and I said go. You should go. Il est mort. He died. Encore une autre personne est venue. They sent another person. M'attaquer. To attack me. Elle a pris de lui, elle a bu, elle est morte. She took all and drank and she donc, died. Dis vous voyez, ce sont les numéros 1 sorcellerie. As you see them, the number one is sorcery. Vous devez savoir le ministère du prophète. You have to know the ministry. Si quelqu'un doit prier pour toi. If somebody has to pray for you, you have to know who he is. Parce qu'il faut avoir foi en lui, il faut connaître son histoire. To have faith, you have to know his donc le serpent là, that snake, j'ai eu la vision, I had a vision que le serpent that the snake se trouvait dans une cimetière. Was found in a cemetery. Et je comptais le choix de tout le serpent. If that's how I want to destroy the snake. Dans le village, during that time in the village, la tombe d'un prêtre. They showed me the tomb of a priest. They said you see that la tombe d'un prêtre. Is the tomb of a priest. Il a eu sa première messe. He had his first bénis service, blessed and everything. Amen. And did all the service. Le Seigneur merveilleux. Amen. As he came sa première messe. Elle est sortie de l'église. When he came devant out of l'église, the church, il est mort. He died. Ils l'ont tué. They killed him. J'ai jeûné. Tu peux. Ici on appelle gros. Ici on appelle ça gros. We call this gros. Chacun se mange ici. Wow. Each other eat each other. J'ai dit, moi je suis au-dessus. J'ai dit à moi et au-dessus de la sorcellerie. Et j'accepte de venir dans le village. And I accept to come into this village. Le dragon là, je vais le tuer. That dragon, voir. Au nom de Jésus-Christ. Vous saurez qu'il est puissant dans le nom de Jésus. You would know that there is power in the name of Jesus. Et pendant que je parlais, Dieu m'a tourné avec sous l'onction. Je suis allé tuer le serpent. And when I was talking, the God anointed me, touched me, and I killed the snake. Et c'est comme ça que je fais. Je mets de village en village pour détruire la sorcellerie. I walk from village to village, destroying sorcery. Donc je suis tourné américain. Je suis en tournée américaine. I'm a tour in American tour. C'est la première depuis que je suis venu, c'est la première fois que je prêche en salle. It's the first time. C'est l'introduction. L'introduction d'un programme, c'est comme ça. On donne des nouvelles. On ne parle pas beaucoup. Vous allez voir qu'il y a beaucoup parlé aujourd'hui. You notice that I talked about today. C'est ça qu'on appelle l'introduction d'un programme. Vous allez voir que demain, on va changer d'aspect. Demain, je vais commencer à beaucoup prier. Said, aujourd'hui, c'est la tradition. Vous devez savoir pourquoi je suis là. Today is introduction. Qu'est-ce que je suis venu faire? I'm here, what I'm coming to do. Comme vous ne voulez plus venir en Afrique. So, since you don't want to come back to Africa. Et vous saluez, c'est très bien. Chacun right. Prend son avion. Anyone take a plane. Voilà, et puis bien maintenant, vous venez vous voir ici au Texas. You to come and see me in Texas. Vous ne partez pas en Afrique, mais vous avez des problèmes. Vous ne partez pas en Afrique, mais vous voyez l'Afrique dans vos rêves. You're not in Africa, but you're here and you see Africa in your dreams. Vous avez peur de venir, mais ils sont toujours là. You're afraid to come to Africa, but they're here. Ah, je me cache, tu te caches devant qui? Or you say you're hiding from me. Je suis allé dans un village. I went to a village. Attrapé sorcier. Le monsieur m'a montré un canard. I caught a sorcerer. C'est ça, j'aime poser des questions. I like to ask questions. Le monsieur, il a un canari mystique, une caméra. He had a mysterious... Il a fait des incantations. He made incantations. Le monsieur a apparu dans le canard. He had a
picture of somebody and the person appeared. He was ready to strike him to that to death. The one who doesn't believe that a sorcery is ignorant, it's good to know. Et d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. First, je suis là pour vous aider. I'm here to help you. Je suis venu vous aider, vous tous, dans la prière. I come to help you in your prayers. Chacun a son don. Everyone has their gifts. J'ai vu comment les esprits attaquent cette église. I've seen how this church is being attacked by spirits. Je suis venu vous aider. I've come to help you. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction de notre programme. Today is the introduction of our program. Après ici, j'aurai un grand programme sur New York. After this, I've got a great program in New York. J'arrive à New York le 3. I'll be in New York the 3rd July. Du 3 juillet jusqu'au 13, je serai dans l'état de New York. From the 3rd to the 13th in New York. Je serai à New York. I'll be in New York. Et après New York, on aura sur d'autres états à visiter. After New York, we'll go to other states. Cette fois-ci, c'est aujourd'hui. Et c'est ici, à Dallas. Today is here in Dallas. Nous démarrons le programme. We are starting the program. Merci d'être venu. Thank you for coming. Par moi, je suis habitué à un grand monde. I'm used to a large crowd. Je suis pas habitué à des trucs. Mais je fais avec. Ouais. Je sais prêcher devant un monde. Je sais aussi prêcher devant un petit monde. I like to preach in front of a big crowd as well as a small. Le monde. I'm not influenced by the crowd. C'est vous qui m'intéressez. It's you I'm interested. Soit deux personnes. Be it two persons. C'est important de prier pour vous. It's important to donc, pray. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je vous donne mes nouvelles. Today I've talked a lot just to savoir pourquoi je suis ici. Why I'm here. Et par la grâce de Dieu, by the grace of God, je sais que Dieu fera que le programme aura un grand succès. The program will have a great success. Amen. Alléluia. Alléluia. Le programme aura un grand succès. The program will have a great success. Je vais démarrer un enseignement. I will start with teaching. Rapidement. Very quickly. Je vais parler l'origine des esprits. The origin of spirits. De l'origine des esprits. I will talk about the origin des esprits impurs. The impure spirits. Le problème que nous avons aujourd'hui, the problem that we have today, c'est un problème des esprits. It's a problem of spirits. Ce sont des esprits impurs. They are impure spirits. Qui combat. That want to defeat us. Ils viennent d'où? Where are they coming from? Les esprits viennent d'où? Where the spirits come from? Il est vraiment important de savoir. It is important to know. D'où viennent les esprits? Where the spirits come from? Et c'est ce que je vais vous dire. And that's what I want to tell les esprits, you. Vous voyez, the spirits that you see. Ils étaient d'abord des anges. They were first of all angels. Ils étaient d'abord des anges. They were angels. Des anges de lumière. The angels of light. D'abord des anges de lumière. Angels of light. Lucifer, vous voyez aujourd'hui, Lucifer Satan, that you see today, il s'appelait Lucifer. Satan, he was called Lucifer. Voilà, il s'appelait Lucifer. He was called Lucifer. Et puis il est devenu Satan. And then he became Satan. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Satan? What happened for him vous to be Satan? L'histoire. You have to know that story. L'histoire des esprits. You have to know that story. Et comment ça travaille? And how they function. Il était d'abord un ange. They were first angels. Et puis il est devenu and then Satan. He became Satan. Amen. Amen. C'est pour ça que par moment il faut faire attention à ceux que vous fréquentez. And that's why you have to be careful with people that Judas you frequent. Judas était disciple. Judas was disciple. Et puis il est devenu traître. And then he became traitor. Amen. Amen. Donc il faut connaître l'origine du diable. You have to know the origin of the devil. Pour mieux le combattre. To better et comment ils agissent. And how they function. Il était Lucifer, il était d'abord Lucifer. He was first called Lucifer. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, when we read on va introduire le message et puis demain on va poursuivre le message. We'll introduce the message and tomorrow we'll pursue that. Apocalypse le chapitre 12. Revelation chapter 12. Apocalypse chapitre 12. Revelation 7 à 12. 7 to 12. Amen. Amen. Généralement les gens n'aiment pas qu'on lit la parole de Dieu. Il faut qu'on touche la parole de Dieu. We have to touch the word of God. Parce que ça fait du bien. You have to be clear. It feels good. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Chapter 12, verse 7 to 12. Amen. Amen. Je fais la lecture. I'm reading. Il y guerre dans le ciel. Il y guerre dans le ciel. There was war Michel in heaven. Et ses anges combattirent. Michael and the angels. Combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il n'était plus le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. D'abord, ils étaient dans le ciel, n'est-ce pas? Ils ne furent plus trouvés dans le ciel. Ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan. Maintenant, dans son nom, celui qui séduit toute la terre
Il fit précipiter la terre sur la terre, et lui et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à aimer la mort. Amen. Amen. Le verset nous ont dit, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il a pris le temps. Amen. Dans ce passage, on nous montre l'origine du diable. In this passage, we have been shown the origin of the devil. Comment il est devenu Satan? How he became Satan? Avant d'abord être Satan, before becoming Satan, il était d'abord Lucifer, il était un ange. He was an angel. Il était dans la présence de Dieu comme un ange. He was in the presence of God. Il faisait d'abord du bien. He was doing good. Amen. Il faisait du bien. Il était un ange. He was doing good. He was an angel. Son cœur était possédé par. His heart was possessed by. L'amour des biens. The love of things. Et l'envie de renverser le trône de Dieu. The envy to. Something you cannot even do. Alors, and then il fait un coup d'état dans le ciel. Si je peux m'exprimer comme ça. He did something against God. Donc il amène avec lui. He brought together with him. Catégorie des anges qui ont accepté la certain category of angels. Quand Dieu a vu ça, Dieu va envoyer Michael. When God saw that, He sent Michael. Michael, il fait partie des anges. Il est le ministre de la défense dans le ciel. My angel Michael is the angel of defense in heaven. Gabriel est le ministre de la communication. Lui, pas son nom. Gabriel is for communication. Lui, c'est la communication. It's communication. Dieu l'envoie pour parler seulement. God sends him to speak. L'ange Michael, lui, c'est le ministre de la défense. Lui, c'est combat. Lui, vient, il frappe. Il n'est pas là pour parler. Angel Michael is for minister of defense. Je vais revenir un peu l'angélogie. Je vais toucher un peu l'angélogie. La catégorie des anges, et après on va toucher la démonologie. Donc, going to touch a little bit of history. Il est parti, l'ange Michael est venu, il a combattu, angel on les a chassés du ciel. Defeated the devil and they drove him out of heaven. On les a chassés. Do you understand? Pourquoi? They were driven. Why? Parce qu'ils sont des rebelles. Because they were rebels. Ils sont en eux maintenant un esprit impur. Ils sont now they have impure spirits. They have impure spirits. Vous comprenez? Ils sont devenus esprits impurs. They became impure spirits. Comme ils sont esprits impurs, as you have ils peuvent plus résister dans le ciel. You cannot live in heaven. Parce que là-bas, c'est la présence de Dieu. Because it's there, c'est la sainteté. Tout le monde est bien là-bas. It's holiness. Donc, in the presence of God. They had to be driven. Le verset 12 nous dit. Verse 12 tells us. On dit malheur. Malheur. Evil. Et à la mer. Evil to earth. Parce que le diable est descendu vers vous. Because the devil came to you. La présence du diable sur la terre est une malédiction. The presence of the devil on earth is malheur à la mer et à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Voilà, donc c'est une malédiction. It's a bad thing for the devil to be sent. La présence du diable sur la terre. The presence of God here on earth. Ils ont un objectif. They have an objective. C'est de détruire la race humaine. It's to destroy the human race. C'est de détruire la race humaine. It's to destroy the human race. Ils sont pleinement à l'œuvre. And they are well at work with it. Ils ont pour patron Satan. They have their master Satan. Et les autres sont des démons. And the others are demons. Et chaque démon a un rôle bien précis. Every demon has a specific role that he plays. Sur cette terre. On this earth. Donc fait partie de la sorcellerie. That makes part of sorcery. La sorcellerie. Sorcery. Ce démon, c'est dans la catégorie des esprits méchants. These demons are in the bad category. Les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Demons are more numerous than people. C'est que dans un corps, that's why in one body, tu peux trouver 120 démons. You can find 120 demons. On a vu Jésus qui a chassé un démon de légion, ça veut dire 120. Jesus delivered a man with a legion of demons. Ils sont plus à l'aise qu'ils ont plus de corps humain. They are more comfortable when they are the human body. Amen. Amen. M'avez bien compris? Have you understood me? Donc, les esprits, spirits, ils peuvent venir posséder une personne. They can come and possess somebody. Ils sont là, mais ils possèdent les gens. They are there and they possess somebody. Et quand ils possèdent une personne, when they possess somebody, vous ne reconnaissez plus la personne. You don't recognize this person. Vous-même, even yourself, humainement parlant, vous comprenez que ce qu'il fait,
n'est pas normal. You know that what they're doing is not normal. Je prends l'exemple. I take an example. La drogue, c'est un esprit. Drug is a spirit. C'est un esprit. It's a spirit. Vous prenez la drogue. You take drugs. Le plus grand psychologue. Le plus grand. The greatest psychologist. Il va venir te parler. They will come and talk to you. Still. Okay. Et donc quand tu mets en prison. Même en prison, tu joues la drogue. Even in prison. C'est pour dire. It's a spirit. Oh, quand tu es contrôlé par un esprit. When you're controlled by a spirit. Tu ne peux plus te maîtriser. You cannot master yourself. Tu ne peux plus te maîtriser. You cannot master yourself. We got a testimony from someone. Lui, il était policier PJ. He was a policeman. Et lui, il était chargé d'aller traquer les gens qui vendent la drogue. He was in charge of tracking drug trafficking. Donc, pour accomplir sa mission. To accomplish his mission. Il s'est déguisé en fumeur de drogue. He changed himself into a female. Il est même le plus grand fumeur, il est mort. And he stayed in the business and he was a professional drug dealer. And he died. C'est mort et tout. He died. Parce qu'il y a un démon derrière. There's a demon involved. Là où il y a un esprit, where there is a spirit, il faut l'intervention de Dieu. There's a need of the intervention of God. Amen. 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 Souvent, il y a des esprits qui possèdent les femmes. Sometimes ou les hommes. Spirits that possess men or possess women. Il y a des gens, leur spécialité, c'est frapper les femmes. There are some demons, their spirit is specialized in hitting on women. Bon, en Afrique, ça existe beaucoup. Mais ici, tant qu'ils frappent, c'est police. Hein? In Africa, it exists a lot. And here, if you do that, that will be possible. In 30 minutes, you give a testimony. 3 minutes, in 3 minutes, you give a testimony. Du coup, le monsieur, il change. Suddenly, the man changed. Oui, la femme change. The woman changed. Tu as l'impression que non, il n'était pas comme ça. She said, no, she wasn't like this. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Ça dépend de là où il est parti. It depends on where he went to. Où il est passé? Or where he passed to. C'est des endroits qu'on ne passe pas comme ça. There are places that you don't just go. When you try to go there, il y a des esprits. There are spirits there. Qui viennent dans ta vie. That come into your life. Et quand un esprit dans ta vie. And when there's a spirit, his role is to destroy you. It's to destroy you. C'est de ça que nous allons parler. That's what we will be talking pendant about. Ces 3 jours. During these 3 days, et comment être délivré de tout ça? And we'll be delivered of all this. Donc, la sorcellerie fait partie des esprits. Il faut que Dieu nous délivre. God has to deliver us. Il faut que Dieu nous délivre. God has to deliver us. Que nous prospérons. So that we can prosper. Si on n'est pas délivré, if we are not delivered, il sera difficile de prospérer. It will be difficult to prosper. Il sera difficile d'avancer. It's difficult to advance. Parce que quand on a des esprits, because when we have spirits, we cannot advance. On est bloqué. We are blocked. Parce que le Seigneur contrôle. Because we are under the control of something else. The only God can save us. That's why we're going to rise on our feet. Et nous allons prier. And we are going to pray. Que tout le monde approche I want everyone to come closer. On approche un peu devant. Let's come closer. Nous approchons devant. Let's come closer. Sortez des rangées. Come closer. Monsieur le pasteur reste à sa place. Vous venez tous. N'ayez pas peur de venir. Que sa puissance se manifeste dans ta vie. The power of God manifest. Tu vas la lâcher. Set her loose. Et tu vas la libérer. Libérer. La puissance. Il y a dans le sang de Jésus-Christ. The power in the blood la puissance de Dieu. Blood of Jesus. Libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Tu lâches son âme et tu libères sa vie. Set her loose. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Dieu te donne la victoire maintenant. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Je sens un esprit de mari de lui. Sors et fais. La puissance de Dieu. Dieu te libère. Jésus-Christ te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Maintenant même. Hey! Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre ce soir. La puissance de Dieu te délivre ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Et sa puissance te libère ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Allez! Lâche-la. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu libère ton âme. Et la puissance de Dieu libère ton esprit. La gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta grâce qui abonde au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Cette vie ne t'appartient pas. 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 Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. La puissance de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je brise les chaînes de l'esclavage spirituel. Je brise ces chaînes. Je proclame la délivrance de son âme. Je proclame la délivrance de son âme ce soir, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la délivrance de son âme. Je proclame la puissance de Jésus-Christ sur ta vie ce soir. Que la main de Dieu te libère ce soir. Que la main de Dieu te libère ce soir. Et que sa gloire éclate dans ta vie. Je prie que la puissance de Dieu, je prie que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Et que sa puissance agisse maintenant en vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Je brise le cercueil dans lequel brise ce cercueil dans lequel la sorcellerie t'a introduit dans le nom de Jésus-Christ. Je brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te délivre ce soir. Sa puissance se libère ce soir. Nous allons tous dire merci au Seigneur. On vient d'introduire le programme. Nous allons dire merci au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur. Demain, nous allons progresser. Voilà, demain, nous allons faire une spéciale prière. Nous venons juste introduire le programme. We're just introducing the program tonight. Et demain, nous allons progresser dans les prières de délivrance. Tomorrow we'll proceed in prayers. Demain, nous allons attaquer la délivrance, spéciale délivrance. Vous devez comprendre que il y a un esprit derrière. You have to understand that. Il faut connaître l'origine des démons. You have to understand. Et le dégât que causent les esprits dans nos vies. That demons cause damage in our lives. Les dégâts qu'ils causent. There are so many damages caused. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Merci de te manifester. Thank you for your manifestation. Merci d'agir pleinement. Thank you for acting fully. Et que la gloire te revienne. Let the glory be given to you. De tout le programme. To take over. Nous voulons de démarrer, Seigneur. As it has started. Merci de nous bénir. Thank you, Lord. C'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, demain nous allons faire spécial délivrance pour la grâce de Dieu. Tomorrow we'll have special deliverance. Voilà, que Dieu bénisse.